votre majesté. Merci. Alors, comment va le prince? Il va bien. C'est bien ça. Oh. Je m'humilie moi-même devant la reine-mère. Vous vivrez longtemps. C'est bon. N'est-ce pas que tu es très belle? Une très jolie femme que j'ai trouvée pour mon fils. Je bénis les jours que j'ai posé mes yeux sur toi. Et je ne sais quoi dire. Merci, votre majesté. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sens timide? Oh non, je t'en prie, s'il te plaît. Écoute, la reine est ici. Alors, dis-lui tout ce que tu étais en train de me dire. Mais arrête, ne commence pas. Votre majesté, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Je vais préparer pour vous. Ah, non, 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 ne te dérange pas. Je suis venue te rendre visite encore une fois et te demander quand est-ce que tu vas passer au palais. À tout moment. À tout moment, votre majesté, elle viendra vous voir. Et elle a toujours souhaité de voir le prince. Faites confiance à ma fille. Elle viendra à tout moment vous visiter. Mère, s'il te plaît, votre majesté, qu'est-ce que vous aimeriez prendre comme boisson? Ah. Pourquoi est-ce que je demande même? Je sais quoi prendre pour la reine. Ma reine, regardez. Regardez-toi, ma fille. Une très jolie fille. Un excellent choix que j'ai fait pour mon fils. Mmh. Et je sais que mon fils sera très heureux de se marier avec cette jolie fille. Vous pouvez le dire encore. Elle est ravissante. Quand j'aurai fini avec toi aujourd'hui, tu vas regretter pourquoi tu n'étais pas morte quand les gens comme toi mourraient. Allez, lève-toi vite, idiote, stupide. Regardez-la. Hein? Qu'est-ce que tu penses faire? Tu crois que je blague? Tu es toujours au sol. Attends. Tu crois que je suis en train de blaguer? Colique, qu'as-tu fait cette fois-ci? Arrête cette méchanceté que tu fais à cette fille. Elle a besoin d'amour. Non mais Meka, combien de fois dois-je te dire de rester loin des affaires de ma parcelle? Veux-tu que je me charge de toi pour que tu apprennes à gérer tes affaires? Hé, viens, toi, où est-elle passée? Mais tu vois ce que tu as causé? Tu as vu? Elle n'a personne dans ses mondes. Mais là, Dieu, et si Dieu ne sommeille point, sache que si Dieu ne dort point. Quand tu auras fini d'aboyer comme une chienne, tu ferais mieux de quitter cet endroit et entrer dans ta maison. Insensée, vieille sorcière. Viens, viens, moi. Fuir comme tu le fais ne te sauvera pas. Même si tu fuis, tu ne seras pas épargnée. Reviens ici. Prends dans ce bassin pour aller vendre pour moi. Viens me vendre ce pétrole. Si tu ne vends pas ce pétrole, je te le ferai boire jusqu'à le finir. Continue de me provoquer, inutile d'enfant. Sorcière que tu es, je ne sais pas pourquoi tu ne meurs pas. Au moins, je vivrai dans la paix de ma maison, tu n'importe quoi. Imbécile, je t'attends ici. Est-ce qu'elle vient de ce village? Bien sûr qu'elle est d'ici. Son nom, c'est Linda Amadike. La fille de M. Simon Amadike, le numéro 1 du parti politique. Une fille décente.
Ouais, elle apparaît comme quelqu'un qui a vu le bon côté de la vie. Oh, c'est pas seulement ça, mon fils. Elle est aussi humble. Peux-tu imaginer qu'elle m'avait proposé de cuisiner pour moi? Et quelque chose me dit qu'elle sera une très bonne femme pour mon fils. Femme? Oui. Est-ce que c'est ça ce que tu as planifié, maman? Est-ce la raison pour laquelle j'étais en train de regarder les photos de ces belles femmes? Oh. Pourquoi es-tu irritée? Ne fais-tu pas confiance en mon jugement? Ou ça te penses-tu que tu es trop jeune pour te marier? Ce n'est pas ça le problème. Alors de quoi il s'agit? Mère. Durant toute ma vie, je vous ai toujours demandé, toi et à mon père, je veux faire ma carrière musicale, c'est ça que je veux. Oh, c'est reparti. Es-tu obligé de toujours me les rappeler? Ne réalises-tu pas que tu es un prince et qu'un jour tu deviendras roi? Comment est-ce qu'un roi peut devenir musicien? Pour qui est-ce que tu vas chanter? Et alors qui chantera pour toi? Tu m'as pas bien saisi, tu essaies d'en faire un problème. Toi et mon père, vous m'avez obligé de faire les droits. Et aujourd'hui, je suis un avocat malgré que je n'ai rien à faire de ce diplôme. En ce qui concerne celle qui sera la partenaire de ma vie, je vous le demande à toi et à mon père de rester en dehors de ça. Nabife, attends. Nabife, ne fais-tu plus confiance en mon choix? Nabife, je suis ta mère et je ne veux que le meilleur pour toi. Linda Amadike est une fille qui a été bien éduquée par sa mère. Elle est la vraie définition du mot décence. Si tu fais d'elle ta femme, cette fille va t'adorer tout le reste de sa vie. Je t'en prie, mon fils, accorde-moi cette chance de t'offrir cette pierre précieuse. S'il te plaît. Voilà votre part. Prenez et mangez. Je ne suis pas venu ici pour Nicolas. Je suis venu à propos d'un sujet qui dérange mon fils. Même Jésus-Christ avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi. Au contraire, il était venu l'accomplir. Vous surpassez les enseignements du Seigneur. La plupart d'entre vous devenez plus chrétiens que Jésus-Christ lui-même. Laissez-moi vous dire ceci. Le christianisme, c'est bien. La tradition l'est également. Et c'est pour ça que je suis ici. Bien qu'étant chrétienne, j'ai beaucoup du respect envers toi et ton travail. C'est pour ça que je viens toujours te consulter quand j'ai des problèmes. Maintenant, dis-moi, est-ce que mon fils va épouser cette jolie dame que j'ai trouvée pour lui? Le processus conduisant vers la femme du prince sera vraiment complexe et très compliqué. Mais une chose est certaine, que le prince épousera une très très belle femme. Et si vous me demandez qui est-ce que ce sera, je ne saurais pas du tout répondre à ça. Le processus sera complexe et compliqué. Mais il va épouser une très jolie fille. Cette fille doit être Linda. Ta chère mère m'a déjà parlé de Linda Amadike. Et je suis très confiant en son jugement. Ma reine est une femme très noble. La meilleure femme que tout homme aurait rêvé d'avoir. Alors, évite de condamner ses choix avant de l'avoir écoutée. Va la voir tout d'abord. Père, qu'est-ce qui arrivera si je la voyais? Je la préfère pas assez pour être ma femme. Écoute, nous parlons de celle que ta mère t'a trouvée pour femme. Je suis sûr que tu vas l'aimer. Exact, c'est ta mère dont nous parlons ici. Oh, voyons, va
voir la fille d'abord. Tu ne comprends toujours pas ma question, père. Comme tu l'as dit que je dois voir cette fille, je la vois et on cause ensemble. Et si je constate qu'elle n'est pas si parfaite pour moi, pour passer avec elle le restant de mes jours, est-ce que tu me permettras de faire mon propre choix? Il y a un dicton dans le royaume de Agbadani et qui a gagné une redevance globale, raison pour laquelle il est valide. Tu ne dois pas juger un homme en son absence. Arrête un peu de condamner la fille. Voilà, d'abord. Excuse-moi, désolé. Je ne voulais pas vraiment t'effrayer. C'est juste que je m'étais juste intéressé de quelque chose. Je ne vais pas juste, tu sais, commencer à danser sans pourtant connaître le rythme. Je ne suis pas professionnel, pas du tout, parce que je n'ai pas de diplôme en ça. Mais tout le monde dans ce village, même ailleurs, connaît Jerry de Jay. Ils savent que je connais les femmes plus qu'elles se connaissent elles-mêmes. C'est pour cela, lorsque je venais, j'étais bien observé dès là. Et j'ai constaté que quelque chose ne va pas chez toi. Je me suis dit, Jay, tu ne peux pas juste partir. Mais tu dois plutôt demander qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille. Et je suis là. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Parce que j'ai une solution pour toute chose. C'est quoi le problème? Oh, tu es en train de pleurer même. Eh oh! Jerry! Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas où. Je l'ai vu mourir entre tes mains. Mourir? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai rien fait. J'étais juste en train de poser cette fille. Et puis elle est tombée. Ah, mon cher. Je me demande si tu ne connais pas très bien le prince. Tu sais, il n'est pas orgueilleux, arrogant. Les gens l'apprécient beaucoup. Tu me donnes l'impression de le connaître à cœur. Bien sûr que oui. Tu sais, juste après son diplôme à l'école de droit, j'étais présente là. Son père a contacté ma madame pour une planification. Pour prendre part de l'art d'une manifestation au palais pour lui. Ah, ok. Alors, le montant était convenable pour madame. Et alors, tout était bien organisé. Et on s'est battu pour savoir qui est qui sur la ligne. Mais devine quoi, ma chère? Un matin, il est allé à son bureau et demandé à madame de tout mettre sous sa responsabilité. Pourquoi? La même chose que je t'ai dite. Tu sais, il est vraiment... Il est décent, humble, gentil, génial, blablabla. Il avait dit qu'il ne voulait pas de fête. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent que le roi avait donné à votre madame? Pour cet argent, il a demandé à ma madame de le garder. Et cela était une chance. Et devine quoi, ma chère? Elle m'a donné 50 000 naira sur cet argent. Oh, wow! Honnêtement, si le prince refuse cet argent, tu vas finalement te marier avec lui. Et déjà, considère-toi comme la plus chanceuse de ce monde. Parce que le simple est le meilleur. Avec ce que tu dis, je l'apprécie déjà. Tu ne l'as jamais aimé? Non, pas vraiment. J'étais un peu sceptique d'aller lui rendre visite comme l'a suggéré ma mère. Je crois que c'est lui qui devait venir me voir. Ok. Mais tu vois là en train d'en parler. Je vais aller le rendre visite. J'essaie, après avoir ignoré tout ce que je t'ai dit. Et là, tu considères trop ma mémoire. Ok, merci. Je t'en prie. Va à l'infirmerie. Où ça?
par là. D'accord, merci. Jerry, dois-tu toujours être fou? Hein? Tu es toujours celui qui te met dans des troubles. Tu ne peux pas juste contrôler ta stupide bouche. Tu ne peux pas te contrôler, t'es contrôlé toi-même. Tu ne peux pas? Si cette fille meurt maintenant, si elle meurt, que ferais-je? Mais j'irai en prison. Aïe! Et ce stupide garçon qui est en train de me dire que je fais quelque chose à cette fille. Oh, c'est moi qui ai fait quelque chose. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Laisse-moi te demander, est-ce que la police va me juger parce que je voulais aider une fille? Hé, hey, calmez-vous. Docteur, comment va-t-elle? Ah, elle va bien, elle s'est rétablie. Elle se porte bien. Elle va bien? Oui, oui, elle se porte bien. Hé, hey, merci Seigneur. Tantine, hey, okay, Tantine, okay. Tantine, vous avez dit qu'elle va très bien. Elle n'est pas morte, elle va bien. Hé, hey, merci Seigneur. Hé, hey, Jésus. Hé, hey, Jésus, Tantine, s'il vous plaît. Si, elle va très bien. Oui, elle va bien. Je veux juste aller m'occuper de mes affaires. Dès aujourd'hui, je vais apprendre comment contrôler ma stupide bouche. Parce que c'est ma stupide bouche qui me met dans des troubles. Vraiment. S'il vous plaît, donnez-moi ma carte d'identité. S'il vous plaît. Tu demandes ta carte? Oui. Tu agis comme si tu ne connais pas cette fille. Je n'ai jamais croisé cette fille dans ma vie. Je ne la connais pas. Écoutez, j'ai un problème. Si je vois une belle fille, okay. Et si je l'approche, je cause avec elle, tout comme je cause avec vous. Et comme je suis en train de vous parler à ce moment. Alors, j'ai vu cette fille. Elle était assise. Elle avait l'air inquiet. Je me suis dit, Jerry, ça c'est une opportunité pour aller saisir l'occasion. Alors, j'ai décidé de tenter ma chance. Comme Jerry, vous voyez, au moment où je parle avec cette fille, elle s'est évanouie. Sans aucune raison. Elle s'est juste évanouie. Mais comme elle va très bien, merci Seigneur. J'ai appris une leçon aujourd'hui. Vous voyez, dès aujourd'hui, j'ai appris à m'occuper de mes affaires. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi ma carte d'identité. Je vais partir avant que je voie une fille qui va me créer encore de troubles. Donnez-moi juste la carte d'identité, s'il vous plaît. Tu viens tout juste de sauver une personne qui allait mourir de faim. Je pense que tu dois être heureux. Ah, ah. Tantine? Oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai sauvé quelqu'un » comme ça? Je ne comprends pas. La faim était son problème. Elle n'était pas malade. Ha! Elle était tombée parce qu'il n'y avait pratiquement rien dans son estomac. Je doute même si elle avait mangé la journée. On l'a juste donné la nourriture et elle va bien. Ah, ah. Mais je ne comprends pas. C'est ça. Donc, cette jolie fille avait juste faim. Sa Majesté, tu sais le problème que j'ai avec toi et que tu ne prends rien au sérieux. Que veux-tu dire? Ce jeune homme est capable de prendre soin de lui-même et je crois qu'on devrait le laisser prendre ses propres décisions. Sa Majesté, Linda m'a dit qu'elle est la fille que je veux que le prince puisse épouser. Et tu sais qu'il deviendra roi juste après toi. Et peu importe celle qu'elle va choisir, deviendra la numéro 1 de femme dans cette terre. Et comment sais-tu où il est écrit que Linda Oamadike sera une très bonne leaduse de femme de Agbadani? Qu'est-ce que je t'en supplie, ma chère reine. Je t'en prie, accorde à cet homme un peu d'espace. Sa Majesté, pourquoi parles-tu comme ça? Ne laisse pas que notre fils puisse entendre ça, sinon il va commencer à sous-estimer Linda. Quand viendra-t-elle dans ce cas? Je voulais qu'elle puisse venir demain. Mais après réflexion, je pense qu'il serait mieux que le prince aille là-bas. Et tu crois qu'il acceptera de rendre visite à la même femme que tu vois déjà comme sa femme en devenir? Sa Majesté, c'est pour cette raison que je veux que tu interviennes à tant que roi et son père. Fais qu'il puisse épouser cette fille. Il rendra notre fils heureux. S'il te plaît. S'il te plaît, Sa Majesté. Ils ont dit que tu es tombé parce que tu avais pratiquement rien mangé ce matin. Je voulais d'abord comprendre. As-tu un problème ou bien es-tu un témoin de Jéhovah? Non, non monsieur, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé. J'avais faim jusqu'au point où je ne pouvais pas lever mes jambes. Ils m'ont donné quelque chose à manger et là je dois partir. Merci, merci beaucoup. Ah non, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi. Tu vois? J'appartiens à un groupe qui s'occupe des gens pauvres. C'est ce que nous faisons. Nous aidons les gens.
Oui, nous essayons d'aider les gens. Okay. Alors, je m'appelle Jerry de Jerry. Jerry Moka. Je viens de Abadala. Puis-je avoir l'honneur de connaître un peu plus de toi? Bien, mon nom est Obioma. Je suis aussi originaire de Abadan. Ça, c'est bien. Oui, monsieur, merci pour de m'avoir amené où on m'a donné à manger. Tout de suite, je vais vraiment partir. Attends, tu vois, tes informations ne sont pas encore complètes. Tu m'as juste dit que tu t'appelles Obioma, mais tu n'as pas complété ton nom. Tu ne m'as pas tout dit. Je veux connaître tout de toi. Je veux te voir encore. S'il vous plaît, monsieur. Je ne veux pas que vous pensiez que je n'ai pas été reconnaissante envers un homme qui a été bon avec moi. Oh. Mais le problème est que je n'aimerais pas que vous puissiez me retrouver encore. Parce que si vous osez encore me retrouver, je serai dans un grand trouble. Ah, ah. Alors comme je le disais, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite pour aujourd'hui, pour la nourriture et pour tout. Je dois partir. Oh bien. Attends. Hein? Je sais que tu as des problèmes. Mais tu connais Dieu de Dieu maintenant. Tu me connais. Comme tu me connais, tu n'auras pas de problème encore. Tu sais, dans la maison de mon père, j'ai un grand flat. Tout ça pour moi. Je peux rester avec quelqu'un d'autre. J'ai la nourriture. Si tu as un problème de la nourriture, je peux résoudre ces problèmes. Toutes sortes de nourriture. Locale, internationale, je vais te donner. J'ai des chambres là-bas. Si tu n'as nulle part où dormir, j'aurai une chambre pour toi. Tu seras confortable et personne ne va te déranger. Tu seras dans une bonne condition. Une très bonne condition. Hein? Je vais réfléchir sur ça. Hein? Merci. Hi! Et cette jolie fille que j'ai juste rencontrée, elle m'a juste plaqué de cette façon-là. Mais pourquoi elle a voulu cacher cette identité? Vous voyez la beauté de cette fille, elle veut juste rester chez son père. Je la verrai encore. Je l'aurai. Allô? J'étais juste en train de passer à mon prince charmant. Désolé. Qui est-ce? Linda m'a dit que... Comment tu vas? La prodigieuse Linda. Je sais que ma mère t'a donné mon numéro. Merci de m'appeler. De rien, mon prince. Est-ce que je peux savoir ce que mon prince est en train de faire? Bon, rien de sérieux. Je suis assis au salon et j'attends qu'on puisse me servir mon dîner du soir pour que je le mange avant de dormir. Je meurs d'envie de vous préparer une salade. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je dois dire que ta voix sonne romantique ce soir. Vraiment? Ah, ça me touche. Ok, j'enregistre un numéro pour qu'on cause de temps à temps. Ça sera très gentil de ta part. Quand est-ce que tu viens me rendre visite? Permets-moi de te donner la réponse à cette question demain. Désolé, ma salade est prête. Peux-tu me rappeler après, s'il te plaît? Et j'en profite de te dire bon sommeil. D'accord, mon prince. Ah. La salade de fruits, mon prince. Ah, merci, Amal. Je vous en prie. Désolé, Amaka, s'il te plaît, viens. Oui, mon prince. Il y a quelque chose qui se passe ici et je l'apprécie pas du tout. Quelque chose se passe où? Je suis vraiment désolé, Amaka. Ne tiens pas compte de ce que je viens de dire. Bonne nuit. Bon. Bonne nuit, mon prince. Bonne nuit.
Sa voix est très douce et il a aussi complimenté la mienne. Dieu seul sait comment je suis amoureuse de ces gars. Qu'est-ce qu'elle a dont moi je n'ai pas? Comment se fait-il que je suis dans ce palais et ils choisissent une autre femme que le prince doit épouser? Ah, ah. Bonsoir, votre majesté. Que fais-tu ici? Rien, votre majesté. J'étais juste emportée par mes pensées personnelles. Eh, reviens. Que veux-tu dire par « tu étais emportée par mes pensées » C'est quoi ces pensées? J'étais juste en train de penser sur mon enfance. Ah, rien de mal, ma reine. C'est bon, tu peux partir. Merci, votre majesté. Elle a floppé les bassins de pétrole que je lui ai demandé d'aller vendre. Elle a fui. Et c'est maintenant qu'elle revient. Hein? Elle a dit quelque chose à propos d'avoir été admise à l'hôpital. Ça signifie quoi, ça? Est-ce que c'est vrai? Tu veux vraiment qu'elle place une parole? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Hein, Omemeka? Que fais-tu ici? Regardez-moi cette femme, hein? Qui t'a invitée dans ma parcelle? Hein? Tu ne veux donc pas me laisser tranquille, même une minute, dans ma propre maison? Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, pars maintenant. Ichi Elia Cassia. Je suis venue te voir. En tout cas, ce serait une très bonne chose si, en tant qu'homme, tu parviens à gérer ta femme. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'étant comme mon mari doit savoir me gérer comme sa femme? Hein? Calme-toi, calme-toi, c'est bon. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Oh, bien, ma va à l'intérieur. Non, 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 Obioma. Ne va nulle part. Ichi Elia Cassia. C'est à cause d'elle que je suis venue te voir. Hey. Et je veux qu'elle reste là pendant que je suis en train de parler à son sujet. Bien. Tu as quitté ta maison ce soir, jusque dans ma maison, pour parler du problème de Obioma. Non mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui te prend? Elle était tombée aujourd'hui. Elle avait été conduite à l'hôpital par un bon samaritain. Une fois à l'hôpital, le docteur a découvert qu'elle n'était pas du tout malade, mais plutôt elle était sur le point de mourir de faim. Je l'avais rencontrée quand je rentrais à la maison, et c'est elle qui m'a tout raconté. Compagnon de commère. Maman commère, c'est ce que tu es. Tu n'arrives pas à rester chez toi. Maintenant que tu as fini ta mission, tu peux rentrer chez toi. Va-t'en de ma maison, non? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Laisse-moi respirer. C'est exactement ce que je ferai. Mais je dois d'abord te donner cet avertissement. Donc, tu n'as pas encore fini. Je serai brève. Je ne serai pas longue. T'inquiète pas. Ok. Ichele Acacia, si cette orpheline de ton frère meurt dans ta maison, j'irai personnellement les dire au conseil d'Oumouada d'Abani. C'est normal, t'es un compagnon de commère. Allez-le, va-t'en de chez moi, commère. Je ne peux donc plus m'occuper de ma maison comme il faut, hein? Qu'est-ce que je lui ai fait? Si j'essaie de tousser, cette femme sortira pour commencer à crier mon nom. Même quand je ris, elle sortira ici pour commencer à faire un problème. Hein? Avons-nous un lien avec elle? Je t'en prie. Que fais-tu ici, stupide imbécile? Rentre à la maison, elle me regarde. Amaka est une bonne fille. Elle travaille dans ses palais comme le numéro un de tout le personnel, depuis qu'elle a quitté l'université. Maman, je sais ce qu'Amaka est.
Ce que je ne comprends pas, pourquoi tu insistes à l'effet de me rappeler qui est Amaka exactement? Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est juste que je suis curieuse. Tu me demandes de dire à Amaka de quitter le palais au moment où plusieurs licenciés sont dehors en train de chercher du travail. Pourquoi? Peut-être je mal réagis sur elle. Oui, peut-être oui. Je le comprends maintenant. Allez, mon fils, pourquoi prends-tu des décisions à la hâte? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal que tu veux qu'elle parte du palais? Elle n'a rien fait de mal. Je le dis, peut-être j'avais mal réagi. Je l'ai compris. Sois tranquille. Passe une bonne nuit. Je t'ai emporté par le pensée. Est-ce que ça a un lien avec ça? Ah, il s'est présenté lui-même comme Jerry. Je crois qu'il était un envoyé des dieux. Parce que s'il ne l'était pas, il n'allait pas passer tout le temps qu'il a passé. Je serais déjà une personne mourante en ce moment. Qu'est-ce qui s'était passé quand tu étais sortie de l'hôpital? Qu'est-ce qui était arrivé? Comme quoi? Genre, il t'a demandé où savoir sur ta personnalité? Bien sûr, il l'avait fait. Mais... Je t'en prie, arrête! Une pute comme toi, je savais exactement ce qui allait se passer. Comment il t'amène partout dans de basses hôtels dans ces villages? Et tu crois qu'il est le meilleur? Écoute, laisse-moi te dire. Tu n'es rien d'autre qu'une fille de basse classe. Tu n'es rien du tout. Je suis d'accord. Oui, je ne suis pas classe dans tous les plans. Oui, je suis d'accord. Toi et moi, nous étions à l'école secondaire ensemble. Je passais des classes avec comme mention excellente. Et qu'est-ce qui t'arrivait? Tu échouais. Et comme ton père était capable de t'envoyer à l'université? Quel genre d'explication que tu essaies de donner? Qu'est-ce que cela a à voir avec le problème qu'on discute pour toutes le moment? Choses. Il y a plein de choses à faire avec. Tu venais de dire que Obioma n'est pas classe. Et je suis d'accord. Ce n'est pas toi qui passais des classes à l'université avec tes pauvres résultats. Et moi, qui avais des résultats excellents, je me retrouve dans le riz d'Abadan en train de vendre du pétrole. Je ne savais pas qu'un jour je vendrais du pétrole. Obioma ne mange pas. Tu as raison. Je n'ai pas de classe. Bien, je ne sais même pas pourquoi je reste là en train d'écouter tous les sottises que tu es en train de dire. Hein? Une fille désespérée. Obioma, reste là assise et continue de te tromper. Je ne me suffis pas, tu le sais très bien. À la place, ce que j'ai essayé de faire est de me laisser échouer. Alors reste dans ton université. Reste là et construis tes études avec de pauvres résultats. Pendant que je reste là, priez mon Dieu, de se rappeler de moi. Je sais qu'il se rappellera de moi. Tu vas plutôt te souvenir de toi-même. Si tu ne t'occupes pas de maman et Meka, pour qu'elle apprenne à gérer ses affaires, je me chargerai d'elle moi-même. C'est quoi ça? Pourquoi je ne dois pas avoir la paix de ma propre maison juste parce qu'elle est ma voisine? Hein? Ton problème ici ne devrait pas être maman Emeka. Non, elle ne devrait pas te concerner. Celle qui devrait te concerner, si c'est cette fille stupide que cette femme a appelée et qui a répondu. Oh. Hein? Quel genre de problème est ça? Hé! Hey! Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas à 7h de la nuit avec ce bidon? Je vais laver les habits avant qu'ils ne ferment finalement. Ah bon? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour donner l'impression aux gens que tu travailles
durement dans cette maison. Hein? Dis-moi ce que tu caches. Hein? Dis-moi ce que tu caches derrière ces intentions. C'est quoi ton plan? Mais maman, je ne vais montrer aucune mauvaise impression à une personne. Juste presque tout le monde dans ce contrée utilise deux seaux d'eau pour prendre bain. Et aussi Idioma utilise trois seaux. Et je suis la seule qui économise de l'eau. Alors, je pensais que j'allais trouver une quantité pour utiliser la nuit et réduire mes travaux demain. Et y'a... Voilà une bonne fille. Voilà une très bonne fille. Applaudis pour toi-même. Va-t'en d'ici. Allez, sors ici. Tu vas aller où? Reviens ici. Viens, approche ici. Approche vite. Hey. Reste loin de maman Emeka. Retiens que je ne vais plus te voir encore près de maman Emeka. Est-ce que tu m'as compris? Oui. M'as-tu entendu le jour où je te verrai encore en train de parler avec maman Emeka? Sache que c'est ce jour-là que je vais te tuer. Oui. Allez, rentre à la maison, imbécile. Regarde-la. Tonneau vide. T'en rends-tu compte? Insensé. Ah, que je souhaite que quelqu'un un jour vienne dans cette maison pour se porter volontaire de faire de cette fille sa femme. Je ne vais même pas essayer de demander une quelconque somme à cette personne. Je vais simplement la donner à cette personne-là, qui l'épouse juste pour me débarrasser d'elle dans cette maison. Hein? Qui viendra l'épouser? Malheureusement, cette fille maudite, personne ne va s'intéresser à elle. Je comprends très bien que nous la détestons à cause de ce que son père nous a fait. Mais n'oublie pas, c'est une femme très belle. Des hommes un jour viendront ici pour montrer leurs intérêts. Tu parles comme si tu ne la connaissais pas. Il n'y a rien qui ne restera caché sous ce soleil. Juste en venant, ils verront le niveau de la sorcellerie qu'a cette fille. Et ils fuiront pour de bon. Elle restera ici avec nous. Elle n'ira nulle part. Tu n'importe quoi. Tout ce qu'elle trouve de bon à faire, c'est d'aller puiser de l'eau à 7 heures de la nuit. Amaka, ma reine, ce que tu avais dit ce jour-là que tu étais emportée par le conseil, c'est là un lien avec le prince? Non, votre majesté. Mes pensées sont personnelles. Cela n'a rien à voir avec le prince. Mais qu'as-tu dit à mon fils? Rien du tout. Je lui avais juste apporté la salade de fruits dont tu l'avais demandé. Oh. Et qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il... Qu'êtes-vous encore en train de faire ici? Tu peux partir. Merci, Votre Majesté. Honnêtement, beaucoup de choses se passent dans ces palais et j'aimerais bien le connaître. Que veux-tu dire? J'étais allée voir mon fils pour lui parler de Linda et lui faire comprendre pourquoi il doit se marier avec elle. Peux-tu imaginer qu'il ne m'a pas laissé finir? Il a soudainement changé de sujet. Il m'a demandé de dire à Maka de quitter le palais sans raison. Pourquoi? Je me demandais moi également, pourquoi tu as laissé entrer cette étrangère dans ce palais? L'étrange femme? Sa Majesté, est-ce que c'est bien à Maka que tu fais allusion? Ma chère reine, si tu veux que notre fils épouse cette femme amoureuse que tu lui as trouvée, alors on lève toutes sortes de briques sur son chemin. Dans sa sagesse, il t'a fait part d'une brique majeure qui lui bloque la route. Ce qui me confirme qu'il est intéressé par celle que tu lui as déjà trouvée. Fais comme nous l'avons conseillé et rends les choses faciles pour mon fils. «
Le pire d'achoppement. Est-ce qu'un macabre pourrait... Non. Wow. Elle, c'est ma fille. Oh, maman. Regarde-toi. Mère, j'ai fait une photo. Je l'ai envoyée à la reine-mère. Elle a dit que c'est fabuleux. C'est très bonne. Ah oui, calme-toi. Je suis d'accord avec elle. Complètement d'accord. Allez, j'ai tout fini par de l'avant. Maman, ce qui me pousse à l'aimer encore davantage, c'est l'information que j'ai à son sujet. Mm-hmm. On m'a dit qu'il est très humble. Et ça, c'est le genre d'homme que je vais avoir comme mari. Et cela est exactement ce que j'ai trouvé pour toi. Tu dois faire confiance à ta maman. Tant elle arrive à faire des bons choix. Une autre chose. Ton père n'est pas au courant qu'il sera honoré par le roi. Ok? C'est une surprise d'anniversaire pour lui. Oh, mère. Et nous allons garder le secret jusqu'à ce que cela devienne réel. Compris? Oui, maman. Notre belle fille. Je te fais entièrement confiance. C'est ce pourquoi je fais appel à toi ici. Je voulais laisser ma femme gérer ce problème à elle toute seule. Mais après réflexion, j'ai pensé que celle-ci, c'est la femme qui va automatiquement occuper une position de leadership de toutes les femmes dans le royaume de Agbani. Et vous avez décidé d'y agir, votre majesté. Bien, ce n'est pas ce pourquoi je suis là. Car les dieux ne m'ont encore rien dit à ce sujet, majesté. Très bien, mais laissez-moi vous dire ceci, mon roi. En tant que Obuefi, Udenebona, laissez votre fils choisir sa propre femme. Et voilà absolument ce que je suis sur le point de faire. Je ne suis pas sur le point d'imposer une quelconque femme sur lui. Tout ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est me dire si celle que ma femme lui a déjà trouvée pourra-t-elle vraiment être une bonne femme, afin que je sache m'occuper d'elle. Tout ce que je peux voir clairement, c'est que le prince épousera une très très belle femme. Et si vous me demandez qui elle sera, je ne serai capable de répondre à ça. Amaka, je n'ai que deux hommes dans ma vie. Mon mari et mon fils. Et tu les connais bien parce que tu vis dans cette maison et là 3 ans. Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose auquel ils n'ont pas été d'accord? S'il vous plaît, y a-t-il un problème, votre majesté? Arrêtons de tourner autour du pot. Tu dois quitter le palais. S'il vous plaît. Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai plusieurs fois vu l'argent et les choses de valeur dans ce palais, mais je n'ai jamais touché à quelque chose, votre majesté. Je n'ai pas dit que tu étais une voleuse. Quelque chose s'est passé au palais. Ce que je fais en ce moment est la seule option que j'ai. Je vais t'appeler. Mais pour l'instant, tu dois partir. Ok? Tu dois partir. Tu dois quitter le palais. Je t'appellerai au téléphone. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Où vas-tu comme ça? Il y a un problème de haut niveau avec notre manager qui n'a pas été exécuté. C'est pour cela que le secrétaire m'a invité à capacité d'avocat pour faire partie de la réunion. Et c'est pourquoi je vais sortir. Amaka? Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Mon fils, te dérange pas pour ça. Maman, j'espère que tu ne l'as pas demandé de partir.
Maman, tu ne dis rien, c'est tu vois. J'espère que tu ne l'as pas dit ça. Mon fils, ne parlons pas d'Amaka pour l'instant. Tu dois annuler la réunion que tu as avec le membre du conseil ou je ne sais quoi. Pourquoi je devrais me faire comme ça? Maman, on est en train de parler d'une crise qui pourrait escalader, peu à peu s'aggraver dans cette communauté. Nous parlons de quelque chose qui pourrait s'aggraver avec une nouvelle influence. Comment est-ce que tu peux me demander d'annuler la réunion? Cette réunion peut avoir lieu sans ta présence. Dites-leur que tu ne pourras pas venir. Pourquoi? Oui, parle-moi. Pourquoi est-ce que tu veux que je les appelle et je leur dise que je ne pourrai pas participer à la réunion? Mon fils, Linda m'a dit qu'elle viendra ici pour te voir. Et ça ne sera pas intéressant si elle venait ici et qu'elle ne te trouve pas à la maison. Ne les penses-tu pas? S'il te plaît, essaye. Mais où est-ce que tu vas? Cela veut dire que cette fille ne représente rien pour mon fils. Que dois-je faire? Collins, je vais conduire. D'accord. Et tu ne vas pas venir avec moi parce que j'ai un autre service pour toi. Et quel service me demandez-vous? Ma mère a invité une personne pour moi. Et il est déjà en route vers le palais au moment qu'on parle. Et je veux que tu t'occupes de cette affaire. Tu la retiens jusqu'à ce que je sois de retour. Très bien. Pas de problème. D'accord. Chibikwe? Oui? Ouvre ce portail. Ok. Mais comment peut-il me demander de faire ça? Suis-je un moine? Linda, je ne suis pas contente de la façon dont tu te donnes à ces garçons. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ok, bien. Sa mère t'a réveillée au milieu de la nuit. Pour faire une réunion entre son fils et toi. Et moi, je crois que cela est une union. Mais tu as accepté. Où est le mal avec ça? S'il te plaît, je ne mets pas du temps à dire oui à un homme qui m'aime comme vous le faites en africaine. Ah. Vraiment? Bonjour, Votre Majesté. Comment vas-tu, ma belle? Je vais bien. Où es-tu? Je suis à la maison avec mon ami Johan. Que vous avez vu sur la photo. Je suis déjà en train de quitter. Je t'ai appelé pour te faire savoir que le prince vient à peine de quitter le palais. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'il est parti? Il a été appelé pour aller assister à une réunion urgente. C'est quelque chose qui a un rapport avec le revenu du royaume. Il a dit qu'il ne sera pas long. Donc vous ne voulez plus que je vienne? Non. J'ai été appelé juste pour t'informer. Mets-toi déjà en route. D'accord, Votre Majesté, j'arrive. Je t'attends. Ah, ce sont des bêtises. Espérant que tu profites de la nourriture. Toi, par contre, tu ne sais pas faire la soupe de banga. Dès que tu déposes ces bidons, ne va plus à l'épuiser.
ne va plus à la rivière. Ok? Ta nourriture est prête derrière. Mange pour que tu aies la force d'aller vendre pour moi le pétrole. Oui, maman, merci. Inutile. Elle aime toujours donner l'impression aux gens qu'elle travaille durement. Comme ça, à tout moment. S'il te plaît, maman. On n'a pas parlé de prétendant. Mange ta nourriture. Ne t'occupe pas d'elle. C'est quoi ça, mon Dieu? Ah, c'est quoi ça? Je les ai mis en train de manger les riz. J'ai préparé les riz. Honnêtement, je me suis vraiment rassasiée. Ah, c'est vraiment délicieux. Tu es sûre que ça va? Ah, ok. Ok, ici tu es rassasiée. Mais ce qui reste dans la gamelle de chien. Parce que je ne veux pas que cette stupide de fille puisse toucher à cette nourriture. Non, pas question. Rassemble toute le miette qui reste. Elle va mourir de faim. Maman, c'est ça donc le petit déjeuner? Non, c'est le lait que j'ai pressé dans ma salle, ce petit déjeuner que je t'ai servi. Viens te mettre ici comme ça, tu vas bien le sucer. Approche, non, tu vas têter. Voleuse, cupide, gourmande. Donc ça ne te suffira pas. Cette cantine ne te sera donc pas suffisante. Hein? Regarde-moi cet enfant. Va-t'en de ma présence. Va-t'en, vite. Regarde-la. Malade. Maman, tu vois? Mais tu imagines, elle a les culs de venir me demander si c'est tout ce que je lui ai servi pour le petit déjeuner. Tu oses vraiment blaguer avec moi. Hein? Passe la nourriture au chien. As-tu perdu quelque chose? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une insulte ou quoi? Tu es celle qui est en train d'être insultée. Sauf que tu ne le comprends pas. Ok. Un homme qui veut t'épouser ne vient pas te rendre visite. Il ne fait aucun effort pour t'habiller proprement comme une femme. Et soudainement, sa mère organise une réunion entre vous deux. Il n'a toujours pas du temps pour toi. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé en ville en urgence. Chut. Au sujet des revenus du royaume. Et peu importe comment tu l'appelles, un revenu du royaume, ça ne peut pas être légué par une autre personne. Et tu sais quoi, Linda? Je ne parlerai plus jamais de ce sujet avec toi. Juste, fais tout ce qui te rendra heureuse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Es-tu jalouse de moi ou quoi? Jalouse? Oh, s'il te plaît, contrôle ta langue. Tu sais quoi, Linda? Je suis justement concernée. Je ne veux pas que cet homme puisse prendre de l'avantage sur toi. Tu n'as pas été dérangée pour moi. Tu m'en fais maintenant. Ijoma, s'il te plaît, ne jette pas la nourriture. Je vais manger ça. Je ne t'ai pas dit que je le gaspille. Je les donne aux chiens. Où tu veux que je tue ces pauvres chiens? Ijoma, s'il te plaît, je vais apporter ça aux chiens. Donne-moi cette nourriture, s'il te plaît. J'ai vraiment faim. Je peux voir que tu n'es pas importante que le chien. Que de fute que na guagui.
n'oublie pas de sécher les assiettes après les avoir lavées. Je l'ai renvoyé du palais comme tu l'avais demandé. Mais en tant que ta femme, j'aimerais savoir pourquoi tu as parlé d'elle en utilisant le mot pierre d'achoppement. C'est très bien. Tu as bien agi en l'envoyant très loin de ce palais. J'ai parlé avec Ogwefi Udenebona ce matin. Et je sais très bien ce qu'il m'a dit à moi. Je n'ai pas besoin de dire un quelconque mot de plus à propos de ta servante. Mes humbles salutations à mon roi et à ma reine. Une belle jeune femme au nom de Linda Amadike est ici au palais pour voir le prince. Je lui ai demandé d'attendre dans la salle d'attente du palais. Oh, fais-la entrer. Nous sommes en train de l'attendre. Très bien. Grouille-toi, allez, fais-la entrer. Très bien, merci, Majesté. Comment s'y attendait? Ils sont excités pour ta visite et ta personnalité. Mais laisse-moi te dire une fois de plus que tu es vraiment resplendissante. Je n'en veux plus. Je me sens timide avec tout ce que tu racontes. Non, je ne te flatte pas. Regarde un peu. Tu es juste wow. Tu sais, quand le prince partait d'ici, il m'a dit qu'une jeune dame viendrait le chercher ici. Cela m'a vraiment surpris parce que jamais une jeune femme n'est venue chercher le prince ici. Et anticipativement, je me demandais ce à quoi ressemblerait cette jeune femme. Et en te voyant, je ne suis pas déçu du tout. Tu es très belle. Tu es une sensation. Merci. Peux-tu m'amener là où il y a la reine mère? Oh oui. Très bien, allons-y. Viens, viens avec moi. Le pétrole. Achète du pétrole. Hey, hey, Kérosène. Viens, 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 viens. J'arrive. Hey. Mon ami, on fait quoi maintenant? Hey, écoute-moi, respecte-toi, je t'en prie. Respecte-toi, je t'en prie. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis celui qui suis qualifié d'être appelé monsieur. Pas cet idiot. Cet idiot n'est pas qualifié pour être salué en disant monsieur. Tu devrais lui saluer en disant hé. Hey, bien dosé. C'est quel genre d'information inutile comme ça que tu donnes à cette fille? Hein? Donc, je ne suis pas qualifié pour être appelé monsieur. Mais non. Est-ce que tu es qualifié pour ça? Hein? Et dosé, laisse-moi bien te demander ceci. Est-ce que tu es un fourneau? Mon Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec le pétrole? J'espère que tu n'as pas l'intention de coucher avec cette fille, la vendeuse. Toi, idiot! Parce que c'est la seule chose que tu fais avec cette fille. Tu es un idiot! Qui? Hein? Quel genre de conneries tu es en train de dire à cette fille? Hein? Tu es fou. N'est-ce pas toi qui as commencé cette bêtise? Non. Une fille innocente vient me saluer ici. Et toi, tu dis que je ne suis pas qualifié pour être appelé monsieur. Es-tu saoulard ou quoi? Hein? Écoute-moi bien, écoute. La prochaine fois que tu fais ça. La prochaine fois que tu vas encore faire ça. Tais-toi! Et tout d'abord, je t'avais demandé de te respecter un tout petit peu. Idiot. La prochaine fois que tu vas faire cette bêtise, je vais t'aider. N'importe quoi. Tu n'as rien à faire. Tais-toi. Ma chère. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Où est la fille? Elle est dans ma bouche. Non. Elle est juste allée se préparer pour venir ici pour toi. Hey. Reviens, c'est idiot.
Hein? Reviens ici. Et Dosu, laisse-moi te dire. Écoute, la bêtise qui vient de se passer ici, si jamais tu répètes ça, je te promets que je te tuerai. Tu vas me tuer, moi. Tu vas me tuer, moi, pour de n'importe quoi. Je vais te tuer, ne me cherche pas. Tu es un idiot. Hein? Tu es un idiot. Hein? Voilà que tu m'as fait perdre cette fille maintenant. Oh, et Dosu, moi, idiot. Voilà que tu viens de faire perdre cette fille maintenant. Et moi, oui. Idiot. Oh. Pas de problème. L'argent. J'aimerais te poser une question. Est-ce que cela veut dire que tu n'étudies pas? J'ai déjà fini avec l'école secondaire. Et il n'y a pas d'argent pour continuer. N'est-ce pas qu'il serait souhaitable que tu puisses trouver un autre travail? Du genre, travailler comme domestique chez quelqu'un. Un travail qui peut t'aider à continuer les études. Je penserai sur ça. Mais je sais qu'ils ne vont pas me permettre de devenir domestique. De quoi est-ce que tu parles? Et qui sont ces gens? Ah, madame, je ne vais pas vous ennuyer avec mon histoire. Merci. Merci d'avoir acheté mon pétrole. Je t'en prie. Au revoir. Qui sont ces gens qui maltraitent cette fille? Oh. Tu sais que ma mère m'a beaucoup parlé de choses merveilleuses sur toi. Et crois-moi, je ne suis pas déçu. T'es juste comme un soleil au-dessus de ce monde. J'espère que vous ne continuez pas là où votre garde s'est arrêtée. Franchement, ce gars, c'était un bon parleur. Mais sinon, merci pour les compliments. Je t'en prie. Pourrions-nous juste visiter la cour du palais? Je suis là pour vous, mon prince. S'il l'aime comme ça, je n'aurai aucun problème avec ça. Il est celui qui est en train de se marier et pas moi. Mon roi, je sais bien que c'est lui qui va se marier. Mais à ton homme qui a toute son autorité, c'est quoi ton impression à propos de cette fille? Bien, je dirais qu'elle est quelqu'un de bien. De très belle. Et avec le peu de temps que j'ai passé avec elle, je dirais qu'elle est aussi vraiment sage, intelligente et bien élevée. Et je le répète encore, Nabouif est celui qui se marie et pas moi. Il est celui qui décidera de celle qu'il veut. Elle est intelligente, cultivée. Et bien élevé. Notre fils sera très heureux d'entendre tout ce que tu as dit à propos de sa femme en devenir. Je vais lui en parler. Ne lui dis absolument rien. Je lui dirai ça moi-même. Tu as fait un excellent choix pour notre fils. Merci, mon roi. Avec ces mots, tu as rendu ma journée formidable. Merci. Merci infiniment. J'ai une amie qui a travaillé dernièrement pour le compte de votre entreprise et pour le roi. Vraiment? Oui. Elle m'a dit comment vous avez mis de côté tout le plan et vous leur avez dit de garder l'argent. Je ne veux pas parler de ça. Je m'en suis souvenu après quand vous m'aviez dit que vous ne supportez pas le bruit. Est-ce que tu aimes la musique? Non, pas vraiment. Je me suis juste fait entourer des gens qui vibrent et qui sont chauds pour me communiquer de l'énergie positive. Nabife, je suis ta mère. Je ne veux que le meilleur pour toi. Linda m'a dit qu'elle est une fille qui a été bien éduquée par sa mère. Elle est la pure définition du mot décence. Si tu fais d'elle ta femme, cette femme va t'adorer tout le reste de sa vie. S'il te plaît, mon fils, accorde-moi cette dernière chance de t'offrir ces diamants. Tu ne dis rien.
N'aimes-tu pas le bruit ou c'est juste parce que tu n'es pas extraverti? Ma mère m'a parlé beaucoup sur toi. Et je dois l'avouer que tu es une bonne personne. Ta mère m'a proposé. Pas vrai? Mais je crois bien que c'est à toi de le faire. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on doit beaucoup causer sans ma mère désormais. Ok. Alors. Oh. Oh, Bioma, c'est quoi le problème? Reste loin de maman Emeka. Je ne vais plus te voir même une fois encore près de maman Emeka. Oui, est-ce que tu m'as entendu? Les jours où je te verrai en train de parler avec maman Emeka, c'est ces jours-là que je veux te tuer. Tu vas répéter, rentre à la maison. Imbécile. Désolée, je ne peux pas. Hey, mais voyez-moi ça. Cette femme fait tout pour détruire cette innocente fille. Oh. Tu sais, maman. Comme on dit que se voir en face est vraiment important, et j'ai réalisé que je dois te dire d'avoir trouvé une femme exceptionnelle. C'est pour cette raison que je l'avais trouvée pour toi. Parce que je savais que mon fils ne décevra pas cette famille. Hein? Merci pour cette confirmation. Juste comme ton père, tu as aussi rendu ma journée agréable. Merci. Maman, tu ne penses pas que tu dépasses les limites? Si vite? Comment? Linda, on m'a dit que c'est une femme très belle. Je veux dire, même ses ennemis manquent le bonheur parce qu'ils savent que c'est une femme qui a le courage de sortir tout dehors parce qu'elle est inarrêtable. Tout simplement parce qu'elle a les calibres des reines. Quelque chose me dit qu'elle fera la présidente parfaite de l'association des femmes après mon départ. Tu sais, mère, c'est ce genre de femme que j'appelle des créatures bien faites. C'est ça. Cependant, elle n'est pas ma femme. Viens-tu vraiment de dire ça? Je trouverai ma femme. Quand ça sera fait, je te la présenterai. Merci pour tous les efforts que tu as faits. Je l'ai apprécié. Oh, qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça, mon Dieu? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Oui, mais qu'avait-on? Pars de chez moi! Je sais pourquoi elle avait refusé de me parler quand elle m'avait vue. Tu évacues ta méchanceté chez cette pauvre fille. Elle me fait la morale. Écoute-moi, Ngoli. Les esprits des justes ne vont pas te laisser gâcher la vie de cette innocente fille. Toi! Dieu merci, tu es là. Écoute-moi, Obioma. Cette femme ici présente n'est pas ton Dieu. Tu avais refusé de me saluer et de me parler parce qu'elle t'en avait interdit. Cette femme cherche à te détruire. Quoi, maman Emeka? Pourquoi tu vas tout près nous déranger? Maman t'a demandé de nous laisser tranquille, alors partez. Elle ne veut pas partir. Hein? Elle est toujours là. Une fille insensée. Allez, dehors. Va-t'en chez moi. Va-t'en chez moi. Toi, sorcière. Bande de sorcières.
Attends chez moi. Pars de chez moi. Pars. Rentre chez toi. Apprends à t'occuper chez toi. Allez, sors, sors. Sors, va-t'en. Commère. Où est-elle? Où est cette fille? Je vais te tuer aujourd'hui. Écoute, mon fils. La première fois que j'avais rencontré ton père, je ne l'avais pas apprécié. J'avais accepté de me marier avec lui parce qu'il avait des qualités que je cherchais chez un homme. Mais le jour se sont transformés en semaine, le semaine en mois, et j'ai commencé à l'aimer. Fiston, l'amour est un processus. Si Linda Damadike a les basiques des caractères que tu cherches chez une femme, pourquoi ne pas l'accepter dans ta vie? Et avec le temps, tu comprendras combien cette fille est vertueuse. Maman, tu parles comme si t'as oublié que je suis un grand homme. Permets-moi de trouver la femme que j'en ai besoin comme épouse et je vais te la présenter. Linda n'est pas ma femme. Ce que je veux chez une femme, c'est pas complexe et compliqué. Le processus conduisant vers la femme du prince sera vraiment complexe et très compliqué. Mais une chose est certaine, que le prince épousera une très très belle femme. Et si vous me demandez qui est-ce que ce sera, je ne saurais pas du tout répondre à ça. Complexe et compliqué? Pourquoi cette expression? C'est juste une expression qui me venait à l'esprit. Linda, c'est une femme, elle est une bonne personne. Mais elle n'est pas mon épouse. Permets-moi de trouver ma femme. Accorde-moi une faveur, mon fils. Quelle faveur? Va rendre visite à Linda demain. Je ne veux pas que tu puisses perdre cette fille. S'il te plaît, mon fils. Je t'en prie. Je vais voir, mère. Merci. Je t'ai déjà dit de ne pas parler de moi avec qui que ce soit. Tu allais communiquer avec ma mère Meka avec qui j'étais interdit à mon sujet. Non. Hein? Non, maman. Non, maman, je jure sur ma vie. Je n'ai rien dit quelque chose. J'étais d'ailleurs surprise de l'avoir vu ici. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Je dirais que ce que tu dis là est vrai. Je suis donc en train de me tromper. Hey! Oui, voici cette fille. Elle ne se mêle qu'avec des gens avec qui je l'interdis. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Hein? Tu auras parlé de ça, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas me faire un peu, c'est pas imbécile. Oui, peux-tu imaginer? Va-t'en d'ici. Votre monnaie. Attendez. Ah, madame, je vous en prie. Est-ce que vous comptez les tailler ou les couper? Qu'allez-vous en faire? Hé hé. Qui est-ce qu'elle compte fouetter au juste avec ce genre de fouet? Hey, cette personne doit avoir commis une très très grosse abomination. Salut la jolie fille. Qu'est-ce que tu viens justement de dire? Jusque-là, je ne t'ai pas encore bien vu. Parce que tu es pressée. Regarde, tu es la vraie définition de la vraie beauté. Tu sais que ta beauté peut me faire oublier que je n'ai pas encore pris les petits déjeuners. Je suis sérieux. Regarde tes yeux. Comment est-ce que ça brille?
Regarde, je suis content de t'avoir rencontré pour la première fois. Je remercie Dieu. Je suis chanceux. Les bâtons. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas important. J'aime cette fille. Je t'aime. Où est-ce que tu vivais? Comment est-ce que je n'ai pas croisé une merveilleuse fille de ma vie? Comment est-ce possible? J'ai vécu longtemps dans ce village. Je ne t'ai jamais croisé. Je m'appelle Jerry. Tu veux m'appeler Jay? Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Ijoma. Waouh! Waouh! Un joli prénom. Un joli prénom. Tu mérites ces prénoms. Merci. Oui, tu sais, hein, cette sorte de beauté que tu as, ça suffit pour annuler toutes sortes de rendez-vous. Juste à cause de ce genre de beauté. Et tu sais, j'étais en train de partir voir un cinéaste. Il m'a dit qu'il veut ouvrir une maison ici. J'ai un rendez-vous avec lui. Mais à cause de toi, je vais tout annuler. Parce que je vais bien te connaître. Je vais tout savoir de toi. Et ton nom, où tu habites. Je vais juste tout connaître. Vraiment? Oui. C'est quel genre de bêtise comme ça? Depuis qu'elle était partie. Oh, Naï, bienvenue. Qu'a-t-elle encore commis cette fois-ci au juste? Cette fille inutile n'est même pas le problème. Et du moins que j'ai envoyé m'acheter les cannes depuis 16 heures. Depuis, elle n'est pas encore revenue avec ça. Tout ça pour cette fille? Tout ça à cause de celle-ci. Tu n'as pas besoin de perdre ton argent à acheter des fouets pour celle-ci. Tout ce que tu dois faire, c'est prendre ta ceinture. Folle que tu es. Bienvenue, mon mari. On verra quand tu rentreras ici. Je ne crois pas que tu fais tout ça aujourd'hui pour ton CV juste pour la première fois. Tu ne sais pas combien de fois tu me plais. Oh. Je suis sérieux. Tu es une très jolie fille. Et c'est pour cela que je t'aime beaucoup. D'autres filles, si tu les rencontres, elles vont te dire non, tu vas un peu plus vite. Alors, étape par étape. Mais toi et moi, nous avons l'alchimie. Tu connais l'alchimie, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais comment je t'ai rencontré dans la rue. Pour te donner hydrogène tétrasulfate 6. C'est comme ça que tu es. Je t'ai juste croisé et tu m'as fait confiance. Parce que tu crois que je suis un grand homme dans ce village à Bada. C'est pour cela que tu m'as cru. Et c'est pour cela que je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. Ah, je te crois par parole. Je ne sais pas si on se verra encore. Te prendre aussi dans mes bras. Merci. La stupide fille de la femme stupide. Ah. Jacob Maka. Juste regarde-toi. Non. Maman, je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas ça. Mais c'est quoi ce comportement? Vous venez juste de nulle part et vous commencez à m'insulter et mon bébé. Je n'aime pas ça. Non, le respect est réciproque. Voyez-moi cet idiot. C'est insensé, c'est vaut rien. Ganga. Allez, ferme-moi cette bouche, stupide garçon. Si. Maman. Bébé. Tu vois cette femme présente ici? C'est une semence de troubles et remplie de sorcellerie. Je viens de le constater. Ta méchanceté. Oui, vous avez un problème. Bébé, approche. Voyez-moi ça. La pauvre fille s'est fait punir tous les jours. Mais tes voilà en train de déambuler par. Occupez-vous de vos affaires. Tu fais de va-et-vient comme des bruits d'une pendule. Hein? Celui qui fait du mal dans l'obscurité, ses mal finit toujours par les rattraper en plein jour. C'est quoi ce genre de bêtises? Hey! Waouh! Tu veux dire, il était excité? Joanne, tu ne crois pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui au palais. Il m'a pris par la main pour faire le 100 pas. Il n'y a rien qu'il ne m'a pas dit.
C'est bien. Et pourquoi il t'a pas proposé? Mais je crois qu'il est toujours en train d'observer. Ok. Crois-moi, je t'ai perdu dans ses yeux. Il m'avait presque déshabillée avec ses yeux. Oh mon Dieu. Waouh. L'amour est si fort. C'est lui qui appelle. Ok. Allô? Allô, j'ai juste appelé pour savoir où t'es. Je suis déjà à la maison, mon prince. Je vois que je te manque déjà. Tu me manques aussi. C'est pas juste pour ça. Je t'ai appelé pour savoir c'est comment ton programme de demain. Demain? Tu veux que je vienne au palais demain? Non, pas vraiment. J'aimerais venir chez toi moi-même. Oh, c'est la meilleure des choses que j'ai entendues de toute ma vie. Mais comment ça, Linda? Pourquoi est-ce que tu dis la meilleure chose qui t'a attendue de ta vie? L'amour de ma vie. Le prince Mna du royaume des Abanani vient me rendre visite à mon domicile. J'attendrai demain, impatiemment. Waouh! Non, tu n'as pas besoin de m'attendre toute la journée. Je viendrai chez toi aux environs de 16h. Je t'attendrai. D'accord. Merci. À plus. Waouh! Oh mon Dieu! Il va venir? Oui! C'est une bonne nouvelle, sérieusement. Tu sais que je fais tout ça pour ma mère. Bien au contraire, vous avez fait ça à cause de vous-même. J'ai vu beaucoup de belles femmes auparavant. Mais Linda, elle a quelque chose d'autre. C'est une sensation. Dieu merci, je lui ai dit ça. Quoi? Tu lui as dit quoi? Quelle est une sensation? Que je pense qu'elle est la plus belle femme dans tout Abadane. Et vous devriez remercier votre mère d'avoir fait le meilleur choix pour vous. Hein? Vous devez épouser cette jeune femme. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour que vous l'épousiez. Vous devez. Parce que elle vous donnera plus d'années dans la vie. Mais Collins, tu peux me faire une faveur? Bien sûr, mon prince. Ferme-la. Très bien. Tu sais du fait qu'il a pris son téléphone pour t'appeler? Montre que tu es mieux que n'importe qui le suive. Alors maintenant, tu peux te donner à lui et... lui donner une chance de progresser. Je te souhaite le meilleur. Je crois qu'il vient demain pour me demander en mariage. Je lui dirai même oui avant qu'il ne finisse de parler. Je l'aime énormément. Ah, ok, dis-moi, qu'est-ce que tu vas préparer pour lui? Quelque chose de spécial. Ok. Peut-être notre salade locale. Je ferai quelque chose qui a trait avec notre tradition de Agbonani. Toi, préparer une salade locale et la soupe traditionnelle. Pourquoi tu peux arriver jusque là? Oui, ça ce n'est rien pour quelqu'un que tu aimes. Ok, oh. Au fait, c'est ce que je ferai pour lui demain. Ok. Il connaît tout le stress qui va avec la cuisine. Je crois qu'il va beaucoup l'apprécier et m'aimer encore davantage. Ah, oh, bien sûr. Linda, on m'a dit que va faire partir de la royauté par le lien du mariage. Et tu feras dire à Thomas partout des gens du palais et du revenu du royaume. Honnêtement, je suis contente pour toi. Merci. Je ne suis pas du tout contente. La voilà qui arrive. C'est bien, Giovanni. Maman de maman. Mais pourquoi ton visage est comme ça? N'essaie même pas de me sourire. Parce que je suis très fâchée contre toi. D'où viens-tu? Et bien qu'ici. Maman, si, tu ne me fais plus confiance. Papa, si, tu es aussi en colère contre moi. Ta chère mère m'a dit qu'elle t'avait envoyé pour que tu puisses acheter un simple bâton qu'elle voulait utiliser pour fouetter et chasser le démon de cette idiote de fille de mon frère. Mais tu as disparu. Tu as disparu. Où étais-tu parti? Imagine un peu l'heure à laquelle tu rentres. Hein? Oh, ok. Et ça, c'est à cause de cet imbécile de Bioma. Elle a eu l'opportunité d'échanger mes cours. Réunion. Pour maintenant. Mes parents ne doivent pas juste faire la conclusion avant d'écouter leur fille. Dis-moi, ma fille, ce n'est pas jusque-là, non? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé?
Maman, aussitôt que j'étais partie, j'ai reçu un appel que le doyen de notre faculté voulait me voir. Et la personne m'a dit qu'il m'attendait justement dans son bureau. Alors, je... Vous savez, c'est pourquoi je hais ce pays. On nous met dans des conditions très compliquées. Qui a même dit ça, oh? C'était la première fois dans ma vie. J'ai acheté Okada et je l'ai vendu dans un mauvais endroit. Finalement, quand je suis allée à l'école, il n'était plus là. Hé, ma fille, tu as pris donc tous ces risques sans pour autant reculer. Je veux voir comment tu es frustrée. Tu l'avais dit. T'en rends-tu compte? Veux-tu vraiment tuer ma fille? Imagine trouver Okada et en étant tout pressé. Peux-tu imaginer? Maintenant, chère fille, pardon. Va à l'intérieur, n'oublie pas de prendre ton bain. Et après, trouve-toi quelque chose. De te rafraîchir. Okay, ton dîner est déjà servi, ok? Non mais est-ce que tu imagines les genres de tentation que c'est ça? C'est juste pour le mettre dans... Non mais est-ce possible ça? Ce n'est pas possible. Tu vois les bénéfices d'amitié? Tu vois, si tu as quelqu'un comme Kim, qui est ton ami, la dernière fois que tu testes... Go. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Ok. Otekou m'a dit que tu t'es revenu avec une grossesse et que tu étais actuellement avec elle dans la maison. Mais c'est quoi cette histoire, Edoche? Mais qu'est-ce que tu racontes, non? Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu m'insultes, non? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te dérange si je si j'amène une fille ici? Mais regardez-vous les hommes de village, comment vous comportez? Je vivais à moi seul. Tu es venu avec toi et ton ami, vous voulez être mes amis. Et je voulais juste vous aider. Et là, tu es en train de m'insulter. Tu étais là en train de sauter partout. Je n'aime pas ce genre de bêtises. Écoute, mon problème avec toi, c'est que tu te fâches toujours. Tu te fâches. Mais comment est-ce que je ne peux pas m'énerver? Un homme qui a... Tu es venu ici pour me dire que tu veux coucher avec ma petite amie. Mais c'est quoi cette histoire encore? Je ne veux plus que tu me racontes n'importe quoi. Tu n'as pas droit à me dire cela. Désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, je suis désolé. Écoute, ne gâche pas mon humeur, tu vois. Au cas contraire, je vais te chasser. Qu'y a-t-il de mal si tu me permettais d'aller à l'intérieur pour que je puisse manger cette gonzesse? N'avons-nous pas mangé des gonzesses ensemble? N'avons-nous pas mangé des gonzesses ensemble? Ou bien tu deviens méchant? Edosier, j'ai clairement compris ta mission ce soir. Tu es venu juste m'énerver. Comment? Mais je refuse de me mettre en colère. Comme tu peux le voir, je suis de bonne humeur. Le problème est que la fille dont tu es en train de parler, elle vient ici. Elle vient m'apporter ce que j'ai toujours aimé. Ubo. Alors tu as mangé Ubo et tu es content. Jerry, mon gars sûr. Écoute. Ce sont les gens de gonzesses que j'aime bien. Je suis très content pour toi. Regarde ce que tu vas faire pour moi. Juste, aide-moi à entrer en contact avec ces gens de gonzesses qui ne racontent pas d'histoire. Je vais aller pour tenter également ma chance. Imaï Diego. Tu vois, Edosé, Tu es en train de me montrer combien de fois tu es fou comme Okido au village. Quoi? Oui, tu es vraiment fou. Tu es trop bête. Tu es vraiment un charpentier inutile. Tu es vraiment un charpentier inutile. Si tu veux essayer ton travail, essaye ton travail en essayant avec les arbres, en utilisant ton travail de charpentier. Je suis pas de ton niveau. Arrête de m'insulter. Non, c'est toi qui m'insultes. Comment est-ce que tu veux venir et me parler de... Tu veux rester avec ma petite amie. C'est bon maintenant. Un charpentier stupide comme toi. Arrête de m'appeler charpentier maintenant. Tu es un charpentier. Je suis pas un charpentier. C'est quoi le problème? Je ne suis pas un charpentier. Je suis un faiseur de fondures. Tu vois combien tu es bête? Quelle différence y a-t-il entre un charpentier et un faiseur de fournitures? Très bien, comme tu dis que je suis un faiseur de fournitures. Pas de problème. Je suis un faiseur de fournitures. Va faire ton travail. Très bien. Tu utilises les bois pour travailler. Rentre à ta place et travaille là-bas. Va travailler avec le bois comme d'habitude. Parce que je ne te comprends pas. Arrête de dire ça, non? Je ne peux pas permettre les gens de me déranger comme ça. J'ai tenté de parler de gonzesse. Voilà, tu sais quoi? Rentre chez toi. Au revoir. Bonne nuit. Jerry!
Qu'est-ce qu'il y a, oh? Jerry! Jerry! Achète hey, du pétrole. Hey, arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu penses faire? Hein? Je suis en train de te parler et tu continues de marcher. Donc tu me tournais le dos. Hein? Ça veut dire quoi ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me bloques le chemin? Ai-je une affaire avec toi? Tu ne peux pas me dire que tu ne me connais pas du tout. Mon nom est Dossier. Je suis un trouble fait confirmé. Écoute, ce que tu peux faire de plus, c'est appeler la police. Et quand ils vont m'arrêter et me jeter en prison, et je vais sortir encore. Et une fois dehors, le trouble va continuer. Oh, tu me tournes le... Écoute, attends, je vais te dire. Que veux-tu? Voilà que tu poses maintenant les bonnes questions, hein? Juste calme-moi. Hein? Suis-moi dans cette pousse, dans ce champ-là. À l'arrière de ce champ-là, hein? J'ai déjà bien arrangé là où ça va se passer. Alors suis-moi gentiment et donne-le-moi. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien je vais te conduire de force. T'emmener par la force et prendre ça par la force. Allez, dépêche-toi de me donner. Ah. Allez, viens, tu vas me donner maintenant. Hey, cette fille, je vais la tuer. Tout ça n'a aucun sens. Aucun sens. Hein? Mais j'ai causé ça moi-même. Kérosène. Hey, je n'aurais pas dû beaucoup parler. J'aurais dû l'emmener directement au lieu de beaucoup parler. Hey! Oh, je finirai par la voir. Je l'aurai. Écoute, ma chère. Je suis Nabif, le prince de cette terre. Je t'amènerai à l'hôpital et prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Je vais bien, messieurs. Je n'ai pas moi-même fait attention. Et même si je l'avais fait, ce n'est pas de votre faute. C'est de ma faute. Pourquoi pleures-tu? Je déteste voir une femme pleurer. Je quitte la maison avec 300 naïras de bouteilles de pétrole. J'étais déjà en train de vendre quelques bouteilles. Et comme tu veux les voir sur mon chemin, je rencontre un violeur. Il m'a remis à zéro. Elle va me tuer, elle va me tuer. Ta mère? Ma tante, c'est là où j'habite. Ma maman est morte. C'est fini. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Arrête de plaire. Okay? Je m'occuperai de ça. Tout est bien organisé, j'ai tellement hâte d'avoir cette bague sur mon doigt. Ah Linda, tu sais quoi? Je veux que tu te comportes bien, ok? Je ne veux pas que cet homme comprenne que tu es folle c'est de lui. C'est toi qui l'as dit. As-tu déjà rencontré un prince avant?
Je te comprends, il y a des années que je le fais. Linda, Linda, s'il te plaît, comporte-toi bien. Parce que je ne veux pas que cet homme prenne de l'avantage sur toi. S'il découvre que tu es folle amoureuse de lui. Merci pour ton conseil, mais sache que sincèrement, je n'en ai pas besoin. S'il te plaît. Mon plus haut résultat était meilleur. Vous pouvez même demander le préfet de mon école, de la communauté de l'école secondaire des filles. Elle va approuver le fait que mes résultats étaient meilleurs. J'ai eu 290 de mes examens. Mon oncle, qui est maintenant mon père, a refusé que j'aille à l'école. À la place, je me promène, je fais tout ce qu'ils me disent dans les quartiers pour ma tante qui est sa femme. C'est d'accord alors, c'est d'accord. Ah, ok, prends. J'espère que ça sera assez pour que tu la récupères ainsi que le bassin. Pour le reste, je te verrai demain. Demain? Tu veux venir demain? S'il te plaît, ne viens pas. Ils risquent de me tuer. Ils ne vont pas te tuer. Prends ma carte de visite. Et quand tu seras à la maison, s'il y a un problème, tu me fais un appel et je viendrai. Ils vont découvrir, ils vont encore mériter cet argent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi le problème? Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai jamais eu de téléphone. Prends. Ça sera assez pour que tu t'en trouves un téléphone. Il y aura toujours le temps, donc j'attendrai ton appel aujourd'hui. Mais... Prends-le, s'il te plaît. Tu sais, je suis vraiment très content de toi, pour n'avoir pas permis à ce que la mort de ton mari ne puisse pas t'affecter. J'ai rencontré ton fils, Emeka, il y a 3 jours de ça. Il n'est pas si mal du tout. Ichobi, Erika. Merci pour les compliments. Ça me va droit au cœur. Ok. Sincèrement, je suis venu pour autre chose. Quelque chose qui te concerne. Moi-même? Oui. Et qu'est-ce que ça peut bien être? En tant que chef d'Omo Lisa ou la famille élargie, pourquoi ne convoques-tu pas Ichie Ulua Cassia ainsi que sa femme? Non, je ne comprends vraiment pas. Que veux-tu dire par les convoquer tous les deux? Ichie Ulua Cassia et sa femme, ils ont comme projet de forcer cette pauvre innocente fille à commettre un meurtre. Ils ne le traitent pas du tout comme un être humain. Attends-tu qu'elle meure avant que tu ne réagisses? Ok. Merci infiniment d'avoir pris cette peine. Vois-tu, je vais personnellement m'arranger afin de pouvoir convoquer un... Il doit casser sa femme. Alors, arrête de te déranger, maman Emeka. Ça veut donc dire qu'il ne respecte pas les temps. Il est déjà 16 heures passées. Où est-il passé, hein? Ah.
Bonjour, maman. Allô, Linda. Comment ça s'est passé? Votre Majesté, je ne souhaitais pas vous déranger avec mon appel. Je l'ai appelé il n'y a pas longtemps. Il n'est pas encore venu. Je l'attends toujours. Que veux-tu dire par « il n'est pas toujours venu » Tu veux dire qu'il n'est pas arrivé là-bas? Tout ce que j'ai préparé est ici avec moi. J'attends toujours le prince. Ok, je te rappelle. Mais où est-ce qu'il était parti? Hein? Quand il quittait la maison, il m'avait dit qu'il partait voir Linda. Mais qu'est-ce qui se passe? Où était-il allé? Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tout ce que Joanne a dit est vrai. Hein? Suga n'est pas sérieux. Comment je n'ai pas vu ça auparavant? Je viens de causer avec Linda. Elle m'a confirmé que tu n'étais pas allé chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai croisé quelque chose de plus grand que Linda et j'ai changé d'avis. Quelque chose de plus grand que Linda? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais depuis que toi et père vous êtes mis à l'idée que je dois me marier, je pense que c'est aujourd'hui que j'ai trouvé la personne qui sera capable d'être ma femme. Donc, ce qui fait à ce que nous ne puissions plus parler à propos de Linda. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, que tu étais allé voir une autre femme... Pas juste une autre femme. Une femme avec du potentiel. Une femme qui a du potentiel ne pourrait pas être une femme qui vient d'une popularité et ne sait pas dans quoi il peut se maximiser. Une femme qui devrait apprécier celui qui l'aidera à maximiser ses potentiels. C'est ce genre de femme que je veux me marier avec. Mais pas d'un bébé comme Linda qui a été déjà tournée vers le mérite. Je t'en interdis. Nabife, tu es un prince. L'héritier du trône. Crois-tu que je vais croiser les bras et te laisser ramener dans cette famille quelqu'un que tu vas ramasser, je ne sais pas. Maman, j'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois que tu me parles de ces choses du choix familial. Donc il n'y a personne dans ce monde qui ne pourrait pas avoir un choix familial. Même un enfant qui est né par un célibataire. Donc, doit avoir un choix familial parce que c'est ça votre culture? Je veux me marier avec une femme d'où je ferai partie de son histoire, pas de celui qui a déjà vécu une histoire avec quelqu'un. Laisse-moi être sincère avec toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je pense que j'étais si silencieux dans cette maison et tout le monde a profité pour m'imposer n'importe quoi. Maintenant, on verra bien. Je n'ai pas raison maintenant. Je n'ai pas raison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit que Obioma était en train de me voler. Mais personne ne m'avait cru. Regardez. Elle a un nouveau téléphone. Hein? Hein? Ah ah. Attendez. Cette fille ne me tuera pas dans cette maison. Obioma! Obioma! Maman! Ce n'est pas possible. Hein? Pourquoi me regardes-tu comme ça, voleuse? Dis-leur où est-ce que tu as pris l'argent pour acheter ce téléphone. Je ne suis pas une voleuse. Oh, mais on m'arrête de me traiter d'une voleuse. Tu sais que je ne suis pas une voleuse. Ferme ces sales trous. Insensé. Où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter ce téléphone? Réponds à ma question. C'est mon téléphone que j'ai acheté dernièrement. Elle ne l'a même pas nié. Elle ne l'a même pas nié. Oh. Tu l'as vu. Oh, bien, ma. Où as-tu eu l'argent pour acheter le téléphone? Où est-ce que tu as eu l'argent? J'ai rencontré le prince. Quand j'étais presque... J'étais en train de traverser et il m'a cogné. C'est lui qui m'a donné l'argent pour acheter les téléphones. Maman, c'est juste une sale pute de la rue. Elle séduit les hommes pour coucher avec elle. Et je me demande ce qu'elle a fait avec le prince. Ce prince inutile.
Obioma, maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec le prince qui a fait en sorte qu'il puisse t'acheter un fourne aussi cher? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Hé, mettez-vous debout. Mon prince. Bienvenue. Bonsoir, maman. Nous étions aussi en train de parler de vous et voilà que vous êtes entrée. J'ai expliqué à Colin ceci, que j'ai donné à cette dame l'argent pour se procurer un téléphone. Et il m'a dit que l'acte que je fais, ça lui a créé des problèmes. Je peux voir que Colin a raison dans ce cas. Je suis juste venu vous dire que je suis intéressé par elle. Et je ne veux pas qu'elle soit punie pour rien du tout. Je n'en crois vraiment pas à mes oreilles. La reine n'était pas explicite. Et quand elle parlait, elle avait l'air faible. On dirait que le prince s'est intéressé à une autre personne. Un quoi? Je regrette d'avoir rejeté tes conseils. Linda, je m'étais dit de te laisser t'en charger toi-même. Mais tout d'abord, je te conseillerais d'aller au palais. Va te voir avec le prince face à face et parle-lui d'abord. Oui. S'il me veut, il viendra me trouver ici. Okay. Aussi longtemps qu'il ne me traitera pas comme une femme qu'il désire, il peut aller en enfer. Tu sais, sérieusement, ceci est l'une des raisons qui me pousse de ne pas me donner à un homme. Jusqu'à ce qu'il me prouve ses bonnes intentions derrière son amour. Pour être sincère, cet homme n'a rien fait de mal. Il ne m'a rien promis. C'est moi qui poussais toutes ces choses à arriver. Mon prince, je ne comprends vraiment pas quand vous dites que vous êtes intéressé par la fille. Voulez-vous dire que vous voulez faire d'elle votre femme? Si le Dieu décide qu'elle soit ma femme, je me soumettrai. Tout ce que je sais, qu'elle a la qualité d'une femme que j'aime, Dieu est le seul qui pourra les réaliser. Je ferai tout de mon possible pour qu'elle t'accepte. Exact. Bien. Ah, merci. Dans ce cas, je dirais à quelqu'un de venir la prendre demain au midi. J'aimerais interagir pour ça au palais. Aucun problème. Hey. Obioma, il y a quelque chose que je vais te faire comprendre. Je connais très bien le prince. Il ne peut pas te donner l'argent sans s'attendre de quelque chose. Tu l'admets? Ijoma, tu le sais très bien toi-même que je ne peux pas m'ouvrir facilement à un homme. Je ne suis pas inutile comme tu l'es. Comment as-tu osé me traiter d'inutile? C'est moi qui te viens de traiter d'inutile? Gifle-moi encore. Oui, il sait. Gifle-moi encore. Je m'en chargerai de toi dans cette maison. Allô? Allô, c'est le prince. Je suis déjà au palais. J'ai déjà parlé à ton oncle et à ta tante de t'envoyer nulle part demain. Mon prince, vous l'avez fait? Mais pourquoi? Mon prince, je ne suis pas une personne fainéante. Je n'ai pas peur de travailler. Demain, c'est exempté. J'enverrai quelqu'un pour t'amener au palais. Prépare-toi.
Rassure-toi d'être bien habillée. D'accord, mon prince. Je vais vous attendre. Et merci d'être venu autant dont vous êtes venu aujourd'hui. Vous m'avez sauvé d'une grande punition. Dieu t'a sauvé. Et il continuera de te sauver. Ah. Au revoir. Bye. Dice ni fe chuku neche, onye chuku nedu, adigi ano madu geme. Tu as dit que tu avais convoqué le grand prêtre à propos de ce problème. Je l'ai fait aussi. Mais avec tout ce qui vient de se passer, j'aimerais bien suggérer que nous le laissons choisir sa propre femme par lui-même. Et s'il choisit quelqu'un qui n'est pas de la royauté? Oh, voyons, arrêtons d'appréhender ses décisions pour l'instant. C'est bien lui qui épousera la femme en question, et pas nous. Sa Majesté, cet enfant nous a été donné par Dieu, et cela a été prouvé par sa décence. Exact. Sa Majesté, c'est de notre responsabilité de les protéger pour qu'ils ne commettent pas d'erreurs. Et surtout quand il s'agit de faire le choix de sa femme. Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne prendra pas la bonne décision? Très bien, essaie d'oublier qu'il est notre fils. Il est maintenant un homme. Et un avocat. On les appelle... Oh oui, des très bons gentlemen. Faisons-lui confiance afin qu'il prenne la bonne décision. Sa Majesté, pourquoi parles-tu de la sorte? Nous sommes en train de parler de la royauté. Un mariage royal qui se fera avec une fille de l'un de nos partenaires, quelqu'un que nous connaissons bien. Ma très chère et belle et merveilleuse reine, je ne connais pas l'empreinte dont tu parles exactement. Souviens-toi que je t'ai trouvé par moi-même. Et mon père n'était pas en train de suivre une quelconque empreinte en m'imposant une femme directement. Il m'a permis de choisir ma propre femme. Et te voilà! Une excellente femme pour le roi. Hein? Faisons confiance à Bouifé. Laissons-le un peu profiter du même privilège. Je suis touché par la raison que vous avez donnée. En aidant la colportrice que vous avez vue aujourd'hui, ça veut dire que j'avais raison de choisir de venir travailler sur le palais comme assistant de notre cher prince. Vous êtes un bon homme avec un bon cœur. Et Dieu vous bénira pour l'aide que vous apportez partout où vous allez. Colin, tu as tort de lui appeler pauvre. Elle n'est pas pauvre. Elle a passé son propre niveau. En tout cas, elle était la meilleure élève dans le meilleur collège dans cette communauté. Son oncle et sa vilaine femme l'ont fait tourner en pauvreté pour l'utiliser durant toute sa vie. Ils sont vraiment sauvages envers elle. Cela m'a beaucoup touché. C'est pourquoi je vous donnerai toute l'assistance dont vous aurez besoin pour que vous accomplissiez votre mission. Oh. Mes humbles salutations pour la reine mère. Longue vie, Majesté. Je t'ai entendu dire à mon fils que tu vas l'assister. En quoi est-ce que tu vas l'assister? Ma majesté. Je le... Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus quand que tu bégayes. Qu'est-ce que tu as promis à mon fils? Je suis désolé, maman, cette imposition a pris maintenant fin. Ça veut dire que je ne peux plus avoir des conversations privées avec mes assistants, mes gardes, sans toutefois que tu interfères. Qui t'a ensorcelé? Mais pourquoi parles-tu de la sorte à ta mère? Excusez-moi, Majesté. Mon prince. La femme que j'ai choisie par moi-même sera ici au palais demain. À Keila, quand tu la verras. Qui est-elle et qui sont ses parents? Elle n'a pas de parents. De toutes les façons, elle est une offrande que Dieu m'a offerte à la main. C'est une grande responsabilité qui demande vraiment une grande noblesse. Et je ne voudrais pas prendre à légèreté cette responsabilité. Pourquoi ai-je l'impression que tu es contrôlé quelque part? Certainement par les ennemis de cette terre. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma mère ne va pas s'arrêter? Mère, tu n'étais pas née de la royauté. Tu te mariais du côté de la royauté et tu as fait partie de la royauté.
Cette pauvre fille a besoin d'assistance. Et on doit lui donner notre assistance. Si ça ne te dérange pas, je te souhaite bonne nuit. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chère. J'ai toujours remarqué que tu es la première personne de venir ici chaque matin pour puiser de l'eau. Et tu es aussi la dernière personne de venir ici la nuit, toutes les nuits. De quel genre de famille viens-tu? Qui utilise beaucoup d'eau comme ça? Nous sommes... Ma famille, nous avons besoin de beaucoup d'eau. Nous avons besoin d'eau pour plusieurs choses. Nous utilisons de l'eau le matin, les après-midi et la nuit. Tu parles comme si tu dors avec cette famille. Et peu importe ce que ta famille est, cette famille utilise cette beauté comme une bonne. Maman, s'il te plaît, je vais vraiment puiser de l'eau et retourner pour remplir tous les récipients. L'idée est que je préfère travailler la nuit pour réduire mes travaux le matin. Peux-je puiser? Oui, vas-y. Merci. Je suis inquiète. Et si tu la laisses épouser le prince, nous perdrons tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est à notre profit si jamais elle se mariait au prince. Parce que nous serons connectés à la couronne et entrerons dans la royauté par le mariage. Voilà. Avec toutes les informations que j'ai, sa folie commence aujourd'hui. Le prince n'a mentionné aucune raison de l'avoir comme femme. Mais je crois que demain, je ferai de points très importants sur elle. Est-ce que je t'ai déjà demandé ce qui nous arrivera s'il découvrait qu'elle était une sorcière? Quelle est cette famille qui aimerait avoir de lien avec une sorcière? Hé, hey, et parle-moi de tous ces détails. Toi et moi savons très bien que Obioma n'est pas une sorcière. Elle n'a jamais été une sorcière. Elle n'a rien à voir avec la sorcellerie d'une quelconque manière. Nous avions absolument inventé tout ceci pour la déshumaniser et pour également la pousser à commettre un suicide. Si Dieu décide enfin de nous sourire à travers cette fille, ainsi soit-il. Je hais quand tu essaies de me convaincre à son sujet. Hein? Comment Dieu peut nous sourire, du coup, à travers elle? Parce qu'il est Dieu. Ne le vois-tu pas? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que le prince peut laisser toutes les jeunes filles qu'il y a dans le royaume de Agbadani pour venir demander la main de Obioma en mariage? Obioma, la même qui n'a pas ne serait-ce qu'un seul habit à se mettre pour impressionner qui que ce soit. Hein? Konyeka, je t'en prie, ravalons notre fierté et prions pour que le mariage marche. Parce que nous allons bien sûr bénéficier de ça. Nous allons tous faire partie de la royauté grâce au mariage de Obioma avec le prince. Je t'en prie, laisse-moi tranquille maintenant. Hein? Tu as grand besoin d'une repentance. Réponds-toi. Maman, son nom, c'est Obioma. L'orphelin que je te parlais, elle vit avec son oncle. Tu es la Kassiav de notre village.
Elle a été la meilleure élève dans le meilleur collège de notre communauté. Maman, elle a plusieurs potentiels. Et je l'aime beaucoup. Je veux me marier à elle pour que je puisse profiter de cette merveille. Je t'en interdis. Donc tu me hais à ces points. Haïr? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mère? Donc si j'étais déjà morte et qu'on t'avait laissé la responsabilité de choisir quelqu'un qui devra me remplacer. Donc c'est cette chose, c'est elle que tu vas ramener pour qu'on puisse la remettre à mon outil royal? Maman, arrête de dire ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Regarde derrière le physique. Elle est plus que ce que tu penses, tu sais. Je vais tout de suite fermer mes yeux. Et avant que je ne les ouvre, tu devras déployer tes ailes et voler très loin comme toute sorcière qui se respecte. Et n'ose plus jamais remettre tes pieds dans ces palais. Dégage! Oyema! Mother. Sache que je ne te pardonnerai jamais de ce que tu as fait. Comme si je me souciais de ton pardon ou de ton opinion. Tu n'épouseras pas cette fille de basse classe. Que se passe-t-il ici? Et où est la jeune fille que tu voulais nous présenter? Père, maman vient de la chasser sans toutefois t'attendre pour la voir. Tu crois vraiment que j'allais te laisser ramener cette fille inutile pour décevoir les yeux de mon mari? La fille que tu as fait entrer dans le palais n'est pas qualifiée pour être vue par le roi. Sa Majesté, je sais que tu fais confiance à mon jugement. Ton fils si présent était venu avec une fille qui ne connaît même pas les basiques, les notions élémentaires du make-up. Elle est partie. Et elle ne remettra jamais ses pieds dans cette maison à moins que je sois morte. N'importe quoi. Foutaise. Père, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec mère? Cette fille, je l'aime, elle est la seule avec qui je veux me marier. Pourquoi est-ce qu'elle dit que ça n'arrivera pas tant qu'elle est vivante? Je ne te donnerai qu'un seul conseil, mon fils. Ne laisse jamais une fille se mettre en travers de toi et de ta mère. Je ne lui permettrai pas de t'imposer une quelconque femme. Mais si elle ne valide pas celle que tu as trouvée, trouve-en une autre. Ta mère fera quelque chose de très remarquable en face de celle qu'elle aimera. Et elle lui donnera volontairement le sceptre d'autorité. Souviens-toi, mon cher fils. Mais quel genre de bêtise est que elle ne sait même pas comment on fait le make-up. Et elle ne sait pas s'habiller. Depuis quand ma mère est devenue si matérialiste? Mon prince, que s'est-il passé? Que lui avez-vous dit? Ma mère veut réveiller le mauvais garçon qui sommeille en moi. Elle veut voir les mauvais côtés en moi. Le mauvais garçon qui était au campus. Elle va faire face à moi. Ah, je suis vraiment confus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. On lui a dit comme pour quelque chose comme ça. Je vais être seul. Je veux être seul. Mon prince. Vous avez déjà changé toutes les mauvaises habitudes que vos parents ont déplorées, mon prince. Alors n'y retournez pas. Vous ne devriez pas faire ça. Que personne ne vous fasse retourner à ce que vous avez déjà vomi. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi, mon prince. Je présume que c'est toi, Ichie ou Lulu Acacia, du royaume des Nounous. Je suis venu t'avertir. Conseille ta fille. Dis-lui de rester loin de mon fils.
Ils n'appartiennent pas à la même classe. Ils ne le seront jamais. Votre Majesté, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est votre cher fils qui a couru après ma nièce. Pendant qu'elle était occupée à faire son travail légitime qui est de vendre du kérosène pour ma femme. Comme vous l'avez dit, ma nièce a dit à votre fils qu'il n'était pas de la même classe, mais votre fils n'a pas écouté. Et ça, c'est à cause de l'envoûtement qu'elle a fait à mon fils. Mais sinon, écoute-moi, Ichi. Cette sorcellerie que vous pratiquez dans cette maison ne pourra jamais marcher avec mon fils. Je ne reviendrai pas dans cette parcelle à ce sujet. N'est-ce pas que j'étais avertie? Hein? J'étais avertie! Exactement ce que j'avais dit. La reine croit maintenant que c'est nous qui avions mis son fils sous un charme. Ça, c'est n'importe quoi. Suis-je celui qui a poussé Obima de courir vers le prince? Hein? Ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution tous les deux. Hey, pourquoi tu ne vois pas ça dans une vraie perspective? Ok. Je ne le vois pas sur une bonne perspective. Tu es la seule personne qui ne voit pas ceci sur une bonne perspective. Le mariage de Obioma avec le prince sera une bénédiction pour cette famille et je n'arrêterai pas d'essayer toutes les possibilités de voir cela arriver. La reine elle-même sera incapable de stopper ça si seulement Dieu l'approuve. Si jamais tu peux la contacter, dis-lui que j'ai dit une telle chose. Pourquoi cette affaire va avec cette allure? Oh, oh, cette sorcière. Elle expose cette famille négativement. C'est ça, hein? Ok. Mais comment quelqu'un peut expliquer tout ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait avec cette fille qui fait le commerce du pétrole? J'ai comme l'envie de vomir. Quand cet homme avait dit que c'était mon fils Nabife qui avait proposé cette fille pendant qu'elle faisait son commerce du pétrole. Ah. Oh. Je suis terriblement déçue. C'est donc ce genre d'homme que je voulais épouser. Je vois que tu ne comprends pas. Mon fils Nabife est un homme décent. Je pense juste qu'il a été manipulé par nos ennemis. Alors tout ce que nous devons faire maintenant, c'est d'être à côté de lui, le soutenir jusqu'à ce qu'il reprenne ses sens. Honnêtement, Votre Majesté, je ne crois pas en cela. Il connaît le genre de femme qu'il veut. Il a déjà pris sa décision de la femme dont il désire. Je n'ai rien contre lui, franchement. Mais je me sens juste stupide de n'avoir pas vu tout ceci arriver. Ne rejette pas la faute sur toi, ma fille. Il a fait son choix. Nous devons respecter sa décision. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais. Du fait que ma fille est une femme de classe. Quel qu'en soit le sort de voile diabolique qui est en train de couvrir le visage de mon fils, ça doit être enlevé. Tout ce que je sais est que mon fils doit épouser la femme que j'avais choisie pour lui. Et cette femme, ma chère, c'est bien toi, Linda. T'inquiète pas. Et sérieusement, papa, je crois que ça, c'est un plan de jeu. Mais la capacité de retenir les officiers du Air Force, je ne vois pas de problème en jouant ce jeu pour mon ami. Il y a une seule et bonne raison qui m'intéresse dans ces... je vais dire dans ce jeu que vous voulez faire. C'est la seule raison qui me pousserait de laisser mon mari prendre part dans ceci. Je vois de l'amour. Et je ne veux pas laisser cet amour s'éteindre. Merci, ma. Merci beaucoup. J'ai déjà trouvé un endroit où elle ira prendre du cosmétique et du stylisme. Elle le fera juste pour une année. Je veux seulement qu'elle vive avec vous. Ça m'aidera beaucoup. Jeune homme, honnêtement, je comprends ce que tu veux que nous fassions pour toi. Le seul problème que nous aurions eu dans cette démarche aurait été de convaincre ma femme, tu vois. Mais maintenant, elle a accepté d'aider.
sans attendre que je le lui demande. Cela veut dire que nous sommes sur la même page. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. Je l'apprécie beaucoup. Merci, oh, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sauras combien j'étais touchée profondément. Puisque tu t'es décidé de mettre à niveau celle que tu as aimée pour de vrai, pour l'épouser après, sache qu'il n'y a pas de problème. T'inquiète. Moi et mon mari, nous serons derrière vous. Merci. De rien. Voilà ce que je te disais. Oh, je t'avais dit qu'ils vont comprendre. Mais... oui, écoute. Là, on peut partir amener la femme. Merci beaucoup, monsieur. Merci, vous ignorez ce que vous avez fait pour moi. Il n'y a pas de souci. Regarde-le. Le gens qui vont épouser le prince, qui n'a même pas de classe. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce qui te fait croire que le prince te fera devenir sa femme? Le problème avec toi, c'est la jalousie. Et la jalousie n'est pas bon pour toi. Si le prince va m'épouser, ta jalousie ne va pas l'empêcher. Et qui est jalouse de qui? Ton charme qui a dominé sur tout le palais et qui fait en sorte que la reine te haïsse, c'est clair. Il est parti et parti pour toujours. Alors, juste réveille-toi de ton stupide rêve. Reprends ton commerce de pétrole et va manger dans la rue. Et tout de suite. Personne ne peut détruire celui que Dieu a béni. Je crois que tu as déjà entendu cela avant. Et qui est cette folle qui a cru que Dieu l'a béni? C'est toi? S'il te plaît, arrête de rêver. Si le prince doit venir pour une seule personne dans cette maison, cette personne sera moi. Ah! Oh! Ah! Regardez ça! C'est le prince qui m'appelle. Ta jalousie ne peut empêcher cet appel. Bonjour mon prince, comment vous allez aujourd'hui? Je veux bien, et toi? Je veux bien. Assise à côté de ma sœur qui est en train de se moquer de moi. Bientôt, tout ça, ça va finir. J'ai déjà fait un arrangement avec un couple parental avec qui tu resteras pour quelque temps, donc je passe te prendre demain. Hein? Tu viendras me prendre demain? Pour où, mon prince? Pour un endroit d'où on va prouver à ma mère, bien qu'elle est ma mère, c'est aussi un enfant et je suis un homme. Et l'homme est le père de l'enfant. Ah, mais je ne sais pas ce que cela signifie. Mais hein, je serai là pour t'attendre demain, mon prince. D'accord, sois calme, mon amour. Tu viens de m'appeler ton amour? Je viens tout justement de t'appeler mon amour. Tu es l'amour de ma vie. Je viendrai pour toi demain. Ah, oh. Ok. Je t'aime aussi. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, Bioma, tu viens juste de m'accuser chez le prince? S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas la seule sœur que j'ai. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné ton nom. J'ai plusieurs sœurs. Je n'ai pas fait mention à toi, s'il te plaît. C'est quoi ça? Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Hey, laisse-moi tranquille, Idioma. J'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Mère, n'est-ce pas le même Maka qui travaille ici comme servante? Pourquoi elle ne s'habillait pas comme ça dans ses palais avant? Du fait que tu as refusé de te caser avec Linda,
je me suis rappelé d'Amaka. Je fais appel à Amaka parce que je ne veux pas que tu me traites d'une femme horrible. Amaka s'est beaucoup associée et familiarisée avec la royauté. Cela veut dire qu'elle fait maintenant partie de la royauté par association. Donc à présent, je veux que tu commences à la considérer comme ta future femme. Pourquoi est-ce que tu as permis à ma mère de te rendre folle? Qu'est-ce que tu voulais dire, mon prince? Oui, c'est moi. La même Amaka qui vous a servi. Vous savez que je ne suis pas une folle. T'as rejeté celle que j'avais choisie comme femme. Mon père m'a donné la permission d'aller trouver une autre femme. Et je suis déjà à la recherche. Pourquoi cherches-tu une autre femme pendant qu'Amaka est là? Amaka a déjà mûri. Elle ressemble à une reine. Ce n'est pas le fait de la vêtir comme une reine, ça fait d'elle une reine. Je suis à la recherche d'une femme qui va dépasser votre imagination. À partir de l'intérieur. Pas celle qui sait se ressemble à ceci. Ça va aller, ma chère. Je vais causer avec lui. Ça va aller. Chief Ilodibé, ou toi Bakane, l'un des plus grands officiers et le seul officier supérieur retraité. Un homme avec beaucoup de classe. J'ai toujours été fier de vous. Merci beaucoup, Majesté. Je suis touché par vos compliments. Vous savez pourquoi on est ici, Chief? Notre cher fils, le prince, nous a dit qu'il a trouvé une magnifique fleur dans votre maison. Ah! Votre chère et jeune fille. Et il nous a dit qu'elle était également assez bonne pour être sa femme. Sans vous interrompre, mon roi, il a ramené beaucoup de filles à la maison, mais nous les avons toutes rejetées. Mais quand il a mentionné votre nom comme le père de la fille, nous nous sommes intéressés. Mais pourquoi, ma reine? Parce que dans la royauté, il faut toujours veiller sur les classes sociales. Je ne suis pas d'accord, ma reine. Je ne suis particulièrement pas intéressé à ce, soi-disant maintien de rang social. Qui suis-je pour remettre en cause ce qu'a dit le roi? Vous pouvez me rejeter la faute et je l'accepterai à cœur ouvert. La vérité est que nous avons rejeté toutes les femmes qu'il avait ramenées à la maison. Mais quand votre nom a été mentionné comme étant le père de la fille, nous avons décidé de ne pas suivre les protocoles et venir la voir. Alors, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir l'honneur de voir notre reine venir? Donnez-moi quelques secondes. Vous savez, mon fils m'a beaucoup parlé d'elle. Oui, c'est ça. J'espère qu'elle a toutes ses bonnes qualités. Oui, soyez-en sûr, mon roi. Je fais confiance en ce cas. Attends seulement de la voir, maman. Oh, elle est très belle. Wow. Mes salutations, votre majesté. Viens là. Mon roi, elle s'appelle Euche. Elle est ma dernière fille. Elle est récemment revenue du Canada. Ma femme et moi nous demandons comment votre fils l'a repérée immédiatement. Il a dû vraiment déployer ses tentacules pour trouver une femme que nous allons accepter. Et finalement, il l'a trouvée. Ça, c'est vrai. Je ne te blâme pas, mon fils.
Tu as bien fait. Merci, maman. Bien, je suis heureux d'entendre ça. Si notre Uche a pu être appréciée par la famille royale et elle est qualifiée pour être la femme de notre prince, qui suis-je? Nous sommes prêts à donner sa main en mariage. Bien parlé. Ça, c'est bien. Et Uche, ma fille, je suis très heureuse. Allez, approche. Viens par là. Oh, prends ça. Sois la bienvenue. Oh, c'est à toi. Oh, merci, votre majesté. Oh, merci. Je ne te donnerai qu'un seul conseil, mon fils. Ne laisse jamais une fille se mettre en travers de toi et de ta mère. Je ne lui permettrai pas de t'imposer une quelconque femme. Mais si elle ne valide pas celle que tu as trouvée, trouve-en une autre. Ta mère fera quelque chose de très remarquable en face de celle qu'elle aimera. Et elle lui donnera volontairement le sceptre d'autorité. Souviens-t'en, mon cher fils. Maintenant, ça crie sur mes oreilles que mon père, c'est un prophète. Je te l'avais bien dit. Qu'importe ce que cela veut dire. Ceci doit être prouvé que ta mère n'est pas du tout méchante comme tu les crois. Tout ce que je voulais, c'était le meilleur pour toi. Et maintenant que tu as trouvé le meilleur, je lui ai même remis mon symbole de la royauté. Oh, c'est une joie. Je m'incline devant la reine mère. Que tes jours et que ton règne règne à jamais. Allez, et pardonne-moi de ces protocoles. Tu es aussi une reine. Longue vie à toi aussi. Allez, lève-toi, arrête-moi ça. Merci, merci, merci ma reine. C'était juste... Ah. Oui ma chère, je ne peux donc pas avoir une petite discussion avec ma belle-fille sans que tu n'interfères. Je sais que tu l'aimes beaucoup. D'ailleurs, moi aussi. Désolée maman, je n'étais pas venue pour interférer. Je viens juste pour te faire savoir qu'elle vient juste du Canada et elle ne sera pas capable de répondre à toutes les questions traditionnelles que tu lui as posées. Et qui t'a dit que j'avais l'intention de lui poser de questions? Je lui ai appelé pour que nous puissions avoir une petite discussion entre femmes. Bien. Voyons que... Également, j'aimerais avoir de parler côte à côte avec ma mère. Mm-hmm. Intimité entre reine et la grande reine. Oui. On se voit après. Oui. Allez, va-t'en. Je ne sais pas pourquoi elle a ces impressions pour toi. Je trouve juste qu'il est timide en tout. Ces garçons, ne les suis pas. Il a toujours considéré sa mère comme une dure à cuire, mais bientôt il aura ses propres enfants. Il comprendra. Crois-moi. Votre mère est une femme très dangereuse. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu laisser votre femme avec elle. Elle risque de poser beaucoup de questions à cette fille. Et si la fille ne fait pas attention, elle va démasquer le jeu. J'en ai ras-le-bol de m'inquiéter de ce que peut faire ma mère. Je suis un homme et je fais mon choix. Je sais qu'elle va s'accrocher, elle ne va pas se laisser tomber. Elle va masquer le jeu et ça sera fait. Vous parlez comme ça parce que vous êtes prince. Et tu es un homme, mais elle n'est pas elle. Et j'ai l'impression que si vous ne faites pas attention... Sa Majesté la Reine va jouer découvrir qui elle est vraiment cette fille. En quoi est-ce qu'il se posera problème? En quoi? Écoute-moi très bien, Colin. J'apprécie le feu, mais avec ceci, tu dois rester en dehors de ça. Je veux maintenant que tu restes en dehors de ça. Ce n'est pas que je suis dérangé par cela, mon prince. Ce qui me préoccupe, c'est la fille qui est au milieu de tous ces jeux que nous avons faits. Elle vient d'une vie comme ma propre vie. Et je crois que je dois faire ça avec elle. Toujours veiller sous ses arrières. J'aime entendre ce qui sort de toi. Tu veux protéger ma femme et couvrir ses arrières. Mais sincèrement, sa protection m'est précieuse plus que quiconque dans ce palais. Hein? Oh, je suis très surprise de la manière dont tu t'adaptes avec les choses. Hein? Tu es humble et modeste.
Tu n'es pas comme celles qui reviennent du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre ou je ne sais quoi. J'ai resté avec ma mère. Mmh. Et aussi, j'étais venue au Nigeria pour continuer mes études secondaires. Ah, même si c'était le cas, tu es très humble dans le vrai sens du terme. Hormis le fait que tu viens d'une famille de la classe supérieure, ton père était déjà fortuné bien avant ta naissance. Mais tu es toujours humble, jusqu'au point d'apprendre à cuisiner et spécialement nos plats traditionnels. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Merci, Votre Majesté. Allez, raconte-moi. Pourquoi est-ce que ton père a jugé bon de t'appeler Enuche? Oh, Enuche? Eh bien, c'est mon nom. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Non. Je l'apprécie. Mais tenant compte du niveau social de ton père, je me demande pourquoi t'a-t-il donné le nom d'Enuche. D'accord. Bien. Selon lui, il revenait certainement de Londres et une personne lui a posé une sérieuse question. Il lui a demandé pourquoi les parents africains sont si rapides à donner à leurs enfants les noms étrangers, pendant que aucun blanc ne peut donner un nom africain à son enfant. Alors, c'est à cause de cela, cette question lui a tellement affecté qu'il a pris la décision de ne jamais donner à ses enfants les noms étrangers. Wow. Oui, alors quand je suis née, il m'a appelée Eiche. Et j'aime ses noms. Wow. Moi aussi. Vous aussi. Eiche. Qui veut dire? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ce nom est vraiment significatif. Oui, vraiment. Oh, ma chère, je n'avais jamais su que mon fils pouvait ramener à la maison une si jolie fille comme toi. S'il te plaît, ma reine, je me sens perdue quand vous me parlez de cette façon. Oh. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Ah, donc cela veut dire que tu pointeras toujours ton nez à chaque fois que j'aurai une discussion avec ma belle-fille. Pourquoi? Je suis désolée, Majesté. Veuillez m'excuser. Le prince a besoin de sa femme. Le prince? Oui, Majesté. Le même prince à qui j'ai dit que je devais avoir une petite discussion de femme à femme avec ma belle-fille t'a envoyé? L'appeler? Désolée, Majesté. Je prie que tu nous excuses, ma reine. Laissez-moi aller vers lui et je reviendrai. C'est bon, mon ange. C'est bon. Je ne sais pourquoi le roi nous enverra un tel message aussi urgent. La fille a peut-être commencé à mal se comporter là-bas au palais. J'étais avec cette fille dans cette maison. Oui. Et je peux voter pour elle à 100%. Elle ne peut se transformer en monstre juste une nuit après. Ma chérie, sur ce point-là, je pense que je suis d'accord avec toi. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le roi m'appellerait aussi urgentement au palais. Qu'est-ce que tout ça peut être? Bien, tu es déjà habillé pour partir? Oui. Bien. Ce sera le problème dès que tu seras là. Très bien. À bientôt, chérie. Bye bye. Ne traîne pas. Très bien. Cette fille va vraiment me manquer. Vraiment? Ça veut dire quoi? Ah! Un manque normal, quelqu'un qui manque à quelqu'un. En fait, le prince, mon ami, vient d'ouvrir mes yeux. Et maintenant, je vais chercher une femme très humble et qui sera ma femme. Pas seulement les femmes intelligentes qui tournent autour de moi. Sérieusement. Bien. Malheureusement, moi et ton père n'y t'imposeront pas une femme. Amène la fille. Et nous la jugerons de que nous la ferons. Ok? Bien, prends soin de toi.
Puis-je trouver une femme comme cette fille? Le message a été plutôt urgent et m'a provoqué. Je me demandais pourquoi mon roi veut me voir. Et je pensais que tu avais décliné l'invitation, puisque mon fils n'a pas encore fait ce qu'il est supposé faire pour toi en tant que beau-père. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi devrais-je décliner votre invitation? Ogo bia maluno. La tradition la plus ancienne de notre peuple. Dans une circonstance normale, tu n'es pas supposé être ici. Pendant que mon fils n'a pas encore fait l'essentiel pour toi, et spécialement que ta fille est mariée à lui. Mon invitation pour toi était pour te tester. Que tu sois ici signifie que toi et mon fils êtes sur la même page. Tu n'es pas non plus dérangé. Ça, c'est la vérité, mon roi. Pareille chose, ne me dérange pas. Ma fille est déjà mariée à votre fils. Et ils vivent très heureux comme mari et femme. Un homme comme moi devrait se mettre dans ses voyages internationaux, dans ses affaires. Mais moi, je ne ferai pas partie de ces gens ignorants qui ne visitent pas leur belle famille et n'honorent pas les invitations parce que un petit festin n'a pas été organisé pour eux. Malheureusement pour toi, Chief Ilodibé, ton beau-frère ici présent est le roi du royaume d'Agbadagne. Un homme soumis à la révérence des cultures et traditions de notre peuple. Nous devons tenir une banquette en ton honneur, afin que tu y emmènes toute personne que tu voudrais inviter. Cela, c'est Ogo Bia Maluno. Cela est la dernière étape de toutes les étapes du mariage. Et un roi comme moi ne peut jamais laisser passer cela. Comme cela vous plaît, mon roi. Je vous reviendrai pour ça, mon roi. Ilodibé, je ne veux plus du tout parler de ça encore une fois. Car j'insiste que le festin doit avoir lieu. Et je suis d'accord avec mon roi. Le festin aura lieu. Je vous reviendrai quand nous serons tous réunis ici pour le festin. Et je vous attends. Très bien, mon roi. J'ai parlé à ton père pour l'organisation du festin. Il m'a promis une chose. Qu'il me reviendra pour la date et nous organiserons ça immédiatement. Ma chère, ça c'est la vie dans le palais et ça ce sont mes encouragements pour toi. toujours en train de chercher une excuse pour faire la fête. Tu sonnes comme si tu n'aimais pas l'idée de Ogo Bia Maluno. Écoute mon fils, d'autres familles ne considèrent pas ça comme une tradition. Mais toi, qui vas me remplacer en tant que roi après moi, ne devrais pas suivre cet exemple. Oh, tu es déjà de retour? Oui. Ah. Je ne l'ai pas trouvé à la maison. Ils m'ont dit qu'il était allé déposer ses enfants à l'école. Alors, je laissais le message en disant qu'il passe à la maison demain. Je n'arrête pas de me demander pourquoi tu as besoin de voir le catéchiste. Simple. Parce que je veux que ma jolie belle-fille si présente devienne la présidente de l'association de femmes. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est encore? Comment peux-tu penser à une telle chose? Quelqu'un qui vient tout justement de se marier, elle est Thérèse, et tu veux la nommer présidente de l'association des femmes, Diabada précisément? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de trop parler, mère? Présidente de toutes les femmes dont je connais? Allez, mon fils, il s'agit de la politique. Permets-moi d'y jouer. Je veux que ma belle-fille s'y présente sans nom puisse rester gravé à la tête de toutes les femmes. Avant que je n'oublie, j'avais rencontré M. Ilo Acacia.
du village des Loulous. L'oncle de cette misérable sorcière que mon fils voulait ramener dans cette famille. Non. Tu ne peux pas dire cela. Nous avons une femme ici maintenant. Il y a des choses que tu ne devrais pas dire. Ah, ne sous-estime pas l'intelligence de notre jolie belle fille si présente. Je sais que ça lui importe peu. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Je pense... je ne pense pas que cela pourrait me déranger. Je suis déjà mariée au prince. D'ailleurs, les personnes intelligentes ne peuvent pas juger la personne dont ils ont choisi. Parfait. As-tu entendu ça, Sa Majesté? C'est une intelligente et élégante reine. Oh, j'ai sauvé mon fils du griffe de cette pauvre et misérable sorcière. Peux-tu imaginer une fille qui vend du pétrole partout dans le village? Mon fils l'avait ramené à la maison pour rencontrer le roi. Je l'avais chassé. Cette misérable fille de basse classe. Tu dois au moins. Non. Sa Majesté. Mais cette pauvre fille qui vendait du pétrole peut devenir un ange. Ça peut arriver. Et Uche, ne dis plus jamais une telle chose. Tu ne peux jamais juger ce qui est injugeable. Si elle veut être un ange, elle a intérêt d'aller le faire ailleurs et pas ici, au palais. Lolo, assez. Ta mère est juste impossible. Et ce que je fais continuellement tous les jours est de prier que la grâce la touche et qu'elle change toutes les décisions qu'elle peut prendre. Exactement, mon amour. La grâce. Prie que Dieu te donne la grâce de s'y porter parce que ma mère est impossible. Je veux dire, t'es pas la même fille qu'elle avait appelée du basse classe, d'une vie difficile et consort. Mais regarde aujourd'hui. Elle t'apprécie jusqu'au point qu'elle veut te rendre présidente de l'association des femmes. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est simple, elle n'est pas assez intelligente. Voyons correctement. Comment peut-elle avoir cette idée de pouvoir me placer comme présidente de toutes les femmes de ce village? Pourtant, cela est impossible pour moi. Peut-être elle essaie de te prouver qu'elle t'aime. Elle m'aime? Non, elle m'aime pas. Elle aime Eluche, la fille du chief Ilodibé. Eluche est une illustration, et j'ose imaginer... Quelle sera sa réaction lorsqu'elle va découvrir que tout ceci est une illustration et Eluche est une illustration? Peu importe, mais maintenant elle te nomme la présidente de l'association des femmes. Arrête de dire cela. Parce que tu sais que ce n'est pas possible que les femmes des Abadan puissent me choisir comme leur présidente. C'est impossible et je ne peux pas faire partie d'elle. Tu sais, de tes paroles, je pense que tu ne sais pas encore le genre de belle mère que tu as. Pour elle de ne même pas en penser. Pour elle d'aller jusqu'au bout, de voir les catéchistes. Je peux justement te dire d'être prêt et de te préparer. Parce que ma mère irait tout droit pour te donner ce bureau. Non. C'est que je ne peux pas faire la magie. Et je ne peux pas faire ce qui ne me plaît pas. Tu parles comme si t'aimes ça. Non, je n'aime pas. Mais jusqu'à présent, je ne sais même pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Allez, prends. Je sais que tu peux dire que c'est vieux ou encore démodé. Mais crois-moi, ceci a beaucoup de valeur à mes yeux. Ça fait très longtemps que je le garde. C'est un cadeau de ma mère. Elle me l'avait remis le jour que je lui avais annoncé mon mariage. Mais ils n'ont pas l'air d'être accordés par une personne comme moi. C'est beau. Ça te plaît? C'est pour ça que j'étais allée le prendre, là où je les avais cachés depuis toutes ces années. Tu peux les prendre, ça t'appartient maintenant. Les miens? Vous voulez que je les prenne? Oh. Enyuchi. Jusque-là, tu n'as encore rien vu. Tu sais quoi? Tu as fait en sorte que mon mari et mon fils puissent me faire confiance davantage. Si je n'avais pas résisté,
avec le choix qu'avait porté mon fils. Il allait se marier avec cette sorcière dans cette maison. Mais ma résistance l'a aidé à approfondir sa recherche. Ah, je suis très heureuse du fait que nous t'avons trouvé. Merci. Oh, je suis ravie que tu sois avec nous. Je ne sais quoi dire. Merci. Je suis heureuse que tu puisses connaître et que je vais toujours me rappeler de ces jours où tu m'as rendu heureux et que tu m'as offert cette chose et bénéficier de ce précieux cadeau qui vous a été offert par votre mère. Merci. Approche. Laisse-moi te dire ceci. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans ces palais. Et je promets de te donner tout l'amour qu'une belle mère peut donner à sa belle fille. Merci. Ta présence me rend très heureuse. Merci. Je m'humilie devant vos majestés, la reine mère du royaume d'Agbadane. Vivez longtemps, majesté. Et la nouvelle reine aimée par tout le monde. Oui. Et salutations. Oui. Vivez longtemps, vous aussi. Merci. Collins, que veux-tu? Un homme s'est identifié catéchiste et il est là pour voir sa majesté. Oh. Que dois-je lui dire? Installe-le confortablement, peu importe là où il se trouve. Dis-lui que j'arrive. D'accord, majesté. Et ma reine, salutations. Ravi que ça te plaise, ma fille. Regarde. Un cadeau de ta grand-mère à ta mère. Et de ta mère à moi. J'aime ça. J'ai vraiment aimé. Un meilleur cadeau que je n'ai jamais reçu. Persuasive. Je ne l'ai jamais vu avant. Oui, elle m'avait dit qu'elle avait gardé ça très loin il y a plusieurs années. Regarde ça. Je ne sais même pas quoi faire avec, mais j'aime beaucoup. Waouh. Je peux voir que ma mère déchirait beaucoup maintenant. Tu vois. Tu as la chance. Ah? De m'avoir. De toutes les façons, le chef est ici. Où? Oh oui, dans les palais. Quelque part en train de discuter avec ta mère. Sois prête. Pour? Sois prête à être présidente de l'Assemblée des femmes. Je connais ma mère. Lorsqu'elle commence, elle conclut. Je sais. Elle a déjà vu les catéchistes. Prépare-toi pour le bureau, ça c'est sûr. Mon cher catéchiste, en tout cas je te conseillerais d'être bref et réalise que tu parles à une femme qui ne tourne pas autour du pot. Figure-toi que la politique intervient dans tout ce que nous faisons dans la vie, même dans l'église. Ça c'est la politique et j'aimerais y jouer. Je veux qu'elle devienne présidente à l'élection prochaine. Cette décision n'est pas vraiment de mon ressort, Majesté. L'organisation des femmes catholiques n'est intervenue qu'en période de crise et c'était presque banni. La pire des choses à laquelle nous pouvons penser maintenant est de nous aligner aussi dans l'ère politique, surtout dans cette période de rétablissement. Qui sont ces gens que tu dois appeler? Dis-moi leur nom. Je dois déjà commencer à les appeler cette nuit. Il me semble que vous voulez vraiment faire de cette jeune dame la présidente de l'organisation des femmes de l'église catholique. Là, c'est quelqu'un qui n'a même pas encore donné naissance à un enfant. Je connais la constitution de cette association. Et il n'a jamais été écrit qu'une femme doit d'abord avoir un enfant avant d'occuper ses postes. Ou encore, elle doit d'abord être populaire ou connue de toutes les femmes. Et c'est ce processus que je vais entamer maintenant. Combien? Vous pensez vraiment qu'il ne s'agit que de l'argent? Je ne pense pas, je le sais. Dans la vie, tout a un lien avec l'argent. Combien est-ce que ça va coûter? J'ai finalement eu un message de Chief Ilodibé. Il sera là demain pour le Ogobia Maluno. Alors donne les instructions nécessaires aux cuisiniers ainsi qu'à tous les autres travailleurs du palais. Je veux que l'événement soit vraiment très mémorable. Est-ce que ça doit seulement être demain?
Ne peux-tu donc pas le décaler un peu? Pourquoi veux-tu reporter l'événement? Je veux qu'elle devienne la présidente de l'association de femmes. Et la réunion d'Ogo, c'est pour le mois prochain. J'aimerais qu'elle devienne présidente avant Ogo bien malheureux. Écoute-moi, femme. Je ne suis pas intéressé par la politique que tu joues avec ta belle-fille ou l'assemblée des femmes. Mais je te prie, n'ose pas mettre en question mes décisions en tant que roi. La banquette aura lieu demain. Donne les instructions nécessaires. A-t-on-tu d'autres invités ou soit tu auras seulement les chiffres? Je ne pense même pas que le chief Ilodibé viendra avec beaucoup de gens. Fais juste un programme pour 20 personnes et tout ce qui va arriver demain, on va gérer cela. D'accord, Sa Majesté. Votre Majesté, c'est vraiment urgent, mais je verrai quoi faire pour ça. Du fait que je t'ai appelé, tu dois comprendre combien ceci est important à mes yeux et combien c'est urgent. La cérémonie aura lieu demain à 16h et je veux qu'à 14h tu viennes avec quelque chose de beau et d'élégant. Je vous ai vraiment déçu avant et je ne veux pas commencer maintenant. Désolée pour mes propos. Demain à 14h, j'ai besoin de voir quelque chose de magnifique. C'est bon, je ne veux pas vous décevoir. D'accord. Bien, Votre Majesté, je crois que je dois vous laisser. Nous avons beaucoup à faire. Et d'ailleurs, nous n'allons pas dormir la nuit. Juste pour elle. Oh, c'est pour ça que je t'ai appelée. Promets-moi que demain à 14h, cette tenue sera déjà là. Je vous le promets. D'accord. Bonne nuit, ma reine. Je t'en prie. Merci, ma reine. Collins, c'est quoi ton problème? Pourquoi veux-tu gâcher cette fête en faisant entrer des gens qui ne sont pas censés se retrouver ici? Calmez-vous, Majesté. C'est Itié Obierika. C'est moi qui l'ai invité, parce qu'il a un rôle vital à jouer dans cette fête. Oui, c'est bien vrai. Il y a un dicton qui dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Ce merveilleux banquet organisé par le roi, dans sa sagesse, m'a donné l'opportunité de dire quelque chose qui va certainement tout remettre à l'ordre. Le prince avait un rêve et il avait besoin de personnes qui l'aideraient à réaliser ce rêve. Itié Obierika, ici présent, a tout fait comme il fallait. Et je peux le faire venir à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Mais qu'est-ce que ton père raconte? Majesté, le prince vous a une fois amené une fille qu'il voulait épouser pour la présenter. Même avant que le roi ne pût la voir, vous l'aviez déjà chassée du palais. Pourquoi ramènes-tu ces topiques ici? Ne te rends-tu donc pas compte de l'environnement? Ma fille, lève-toi. Majesté, celle qui se tient devant nous
C'est bel et bien ma fille Eluche. Et je parle bien selon qui je suis. Ma chère fille Eluche, qui est déjà mariée au prince selon les lois traditionnelles du royaume d'Abadane. Et la même Obioma que vous aviez chassé de ce palais, Majesté. Je te demande pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'interdis. Donc tu me hais à ces points? Haïr? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mère? Donc, si je t'ai déjà morte et que tu avais la responsabilité de ramener dans cette famille quelqu'un qui me remplacerait, donc c'est cette chose que tu ramènerais pour qu'on puisse lui donner mon outil royal? Maman, arrête de dire ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Regarde derrière le physique et le plus que ce que tu penses, tu sais. Je vais fermer mes yeux. Et une fois que je les ouvrirai, tu dois déployer tes ailes et voler comme toute sorcière qui se respecte. Et n'ose plus jamais remettre tes pattes dans cette parcelle. Dégage! Oyema! Que viens-tu de dire? Majesté, je suis heureux que nous avons un roi qui croit en l'égalité de tous devant la loi. Le roi lui a donné une chance, mais ce n'était pas nous. Ils m'ont donné de jouer le rôle du père, juste pour avoir ce que vous appelez de tous les noms. Je jouais ce rôle parce que j'ai vu le vrai amour en eux. L'amour ne connaît pas les différences sociales. Parce que dans la royauté, il faut toujours veiller sur les classes sociales. Comme tu as dit, ma reine, moi particulièrement n'ai pas commis à ce maintenance de classe. Qui suis-je pour remettre en cause ce qu'a dit le roi? Vous pouvez m'attribuer toute la faute et je l'accepterai à cœur ouvert. Mais la vérité est que nous avons rejeté beaucoup de femmes qui s'étaient présentées. Mais quand votre nom a été mentionné comme étant le père de la fille, beaucoup de familles ont essayé de conquérir l'amour. Ils se sont conquis eux-mêmes et se sont retrouvés liés dans l'amour. J'aimerais arrêter mon discours maintenant en disant à nous tous ici que l'amour est un conquérant. C'est quoi cette bêtise? Oh non. Oh non, ceci n'est pas vrai. Oh non, cette sorcière m'a fait passer pour une folle. Je vais l'étrangler. Je vais l'étrangler avec mes propres mains. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Jehovah, Ekene.